lunettes. C'est trop joli, chérie. Merci. Wow. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qui c'est la queue qui est belle comme ça, là? Mais je t'ai dit. Ma sachée. Mm-hmm. Wow. Elle est belle. Regardez-moi cette queue-là, comment elle est belle. Quelle beaucoup. Voilà la partie de la chair, chérie. Non, on ne veut pas la chair, là. Pardon. Garde... Ah oui, je comprends ce que tu dis. Oui, 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 je comprends ce que tu dis. Mais ma belle, tu as le vinaigre. Ouais, donne le vinaigre et verse dedans. Ça, elle laisse même 5 minutes et après, c'est bon. Waouh, la queue là est belle, hein. Coucou mes gens, venez. Venez Quand je suis ici au Cameroun, même les directs, je n'ai pas envie de faire tellement je suis à l'aise. Pardon, partagez, je suis là. Coucou les misungettes. Toi, la mouche là, quitte. Regardez comment la viande dose. Eh, hey, chérie, la viande ici est belle, hein. Là-bas, tu me laves ça, mon beau-père doit bien manger. Qui? Maman, on peut chérir le beau-père comme ça, là. Ouais. Adama. On peut chérir le beau-père comme ça. Je suis avec ma fille. Eh oui, c'est ma fille qui est en train de faire à manger, là. Ips. Faut le calme, toi. Le corbeau. À cette heure-ci. Quang, quang, quang. Ce sont tes pères qui font ce qu'ils sont venus, là. Ce sont tes pères qui sont venus te saluer. C'est mes pères, hein? Ah. Ok. Vous êtes où? Ah, le voilà perché là-bas. L'avocat, si, ça reste souvent mûri quand il y a parti. Quand je viens, les gens de là-bas discutent avec nous-mêmes jusqu'à. Ah, la chauve-souris, quand elle est partie me saluer à la machin là. Venez, 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 je cherche alors un endroit où m'asseoir. Hein. On va causer. Je peux m'aller avec vous. Je reviens, ma fille. Dongo, tu étudies. C'est bien ça. Oh, de temps en temps, tu disparais un peu. Oh, c'est bien. Oh, bravo, mon. Et tu écris bien. Hein? Waouh. Et tu fais quelle classe? Troisième. Ah, donc tu as le brevet cette année. Waouh. Il faut que tu l'aies. Hein? Hein? Hmm? Oui, prends le poisson. Non. Ou bien elle attend maman. Pour combien? Moi, non, elle veut le poisson. Elle veut qu'on prenne le poisson. Non. Combien, coucou ma brillantine, oh, ma gabonaise à moi. Comment tu vas ma puce? Hein? Prends même pour, je sais pas, pour 5 000. Non. Tu vas payer ça quand? Parce qu'elle aime le cachet. Oui, on prend maintenant. Non. On prend maintenant. Ça, c'est l'argent de le truc qu'on m'a donné en route. Argent pas vite ici. Coucou ma brillantine, Chantal Amboulé, comment ça va? Véronique, je suis au pays. Au pays, on est dans le local. Dans le local, on n'a pas besoin d'avoir des bling bling. Non, on veut ça. Ce que vous voyez là, c'est le décor là. Voilà. Voilà, c'est ça. L'authentique. Le décor. Comment tu vas quitter là où il y a le goudron? Tu arrives encore là où il y a le goudron? Non, on doit être dans la poussière. Tata Doudou, je reviens au Club France manger le Misunga Kang. Le Club France, pour l'instant, je ne sais même pas. Il faut que j'aille les voir. Faut que j'aille les voir. Ce sont mes gens, on est bien. Mais il faut que j'aille les voir. Là, je ne suis pas venu pour le Club France cette fois-ci. Je suis venu me reposer. Je suis venu pour l'anniversaire de maman. J'en profite. Je me repose. C'est vous qui dites souvent que oh, tu travailles beaucoup, tu travailles beaucoup. Donc, vous voyez même que même dans le travail là-même, je n'ai même pas le temps de faire les directs comme il faut. Vous voyez, non. Parce que je me lève à l'heure que je veux. Je n'ai pas de contraintes. Il faut aller accompagner Nicolas à l'école. Bichounette là-bas, mon fils là-bas, tout ça. C'est-à-dire que je suis à l'aise. Je suis allée m'asseoir en route. Hein. J'aurais pu rester là-bas, faire taper les divers avec vous. Maman, tu te lèves, tu es assise au bar à 7 heures. Maman, le goût de ça. Tu peux te lever comme ça pour aller t'asseoir au bar en bain.
Le froid même d'abord qui va finir avec toi. Ici, il fait chaud. Maman Thérèse Fontelier, ma mère à moi. Ta sœur aura 60, elle a eu 70 ans déjà, mais elle va fêter. Je suis venue pour faire son anniversaire. Oui. Parce que les mamans comme vous, on doit vous célébrer. Les mamans sont devenues aujourd'hui des objets, des choses. On vous chosifie. Une maman doit être celle-là qu'on la célèbre tous les jours. Parce qu'il faut voir, allez demander aux orphelins, ils vont vous dire. Hein? Quand ça devient aujourd'hui qu'on voit une maman, on insulte la maman comme si une maman, comme si... Oh, moi, j'aime en tout cas la mienne. J'adore ma mère jusqu'à... Oui, 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 je paye le bien. Elle a demandé que je veux fêter au Cameroun. J'ai dit que ta volonté soit faite avec accompagnée de celle du Seigneur. On est là. Je suis venue avec ses petits-enfants. Si je ne fais pas ça pour elle, je vais aller faire pour qui? Et c'est comme ça que j'adore toutes les autres mamans. Oui. Parce que moi, je connais l'amour d'une mère. Ma mère, elle me bénit et toutes mes mamans me bénissent. C'est comme ça. Et si j'ai volé? Je travaille pour l'amour. Parce que moi, je suis famille. Vous allez remarquer peut-être, je suis famille. J'adore ça. J'aime quand on s'entend. J'aime quand on est dans l'harmonie. J'aime quand on est dans la paix. Tout partout ici, là, vous allez voir quelque chose. Partout ici, là. Vous voyez, non? Partout ici, ça va être beau maillé ici là, comment on appelle, vous voyez non, tout le coin ici, je vous montre, tout le coin ici, ça va être beau maillé ici, on va faire des foyers pour faire la cuisine, partout ici on va faire des foyers pour faire la cuisine, ici on va faire, partout là où je vous montre là, hein? Vous voyez, moi je suis à côté de la ville, hein. La ville, c'est mon village. Ma faune, manada. Partout ici, là, vous allez voir. Ça va être beau maillé. Il y aura les femmes ici partout. Même là-bas derrière. Il y a la cour. On fait à manger. Chacun va trouver sa place. Celles qui vont faire les bandolets, ou celles qui vont faire les misunga, ou celles qui vont faire le poulet, ou celles qui vont faire le porc, ou celles qui vont faire le poisson, ou celles qui... Voilà. Maman a dit, faites-moi la fête. N'attendez pas quand je vais mourir. C'est là où vous allez venir me célébrer. Quand on vous dit ça, est-ce qu'il faut donc attendre après pour regretter le jour que ça arrive? Hein? Ton parent est encore vivant, il te dit que c'est comme ça. Partout ici, là. Partout ici, là. On est dans l'authentique au pays. Oui. On n'a pas besoin d'avoir, d'aller habiter à Hilton et tout ça. Je m'en fous. Menada, Matirmoko, Kamiyen, ici là. Comme ça, parfois je marche même pieds nus. Hey, le bout de ça. Achambangte. Oh, on est ici à Voabi. Merci à Voabi. Vous m'enviez, vous êtes là-bas le froid, vous coignez jusqu'à. A Vobla, dites-moi, vous êtes propre. Attendez, on peut au salon. Partout ici, je vous montre encore. Partout ici, là, vous voyez, non? Voici ici, là, où repose mon papa chéri. Tous les matins, il vient lui dire bonjour. Je passe là, je lui dis bonjour, papa. Il est là, c'est ici. Donc, tous les fins ici, on va enlever ça. On va enlever tout ça. Il y aura le monde ici, là, la barrière, on va ouvrir. Ouvrir la barrière, tout ça là, partout ici, là, le week-end prochain, ça va être la magie ici là. Regardez le lézard, partout ici. Ici, vous avez mon grand frère. Voilà, chaque temps, je passe là, je leur dis bonjour. Donc ici là, partout, vous voyez, non? Partout là, il y aura le monde. Elle-même, elle a dit. Elle dit que célébrez-moi quand je suis encore vivante. Je n'attends pas d'être couché pour venir raconter que ça a fait, que ça a fait, que ça a fait, que... Alors quand ta mère te dit ça, hein, ton argent que tu gardes, ce sera quoi? Ça va te servir à quoi? Si ce n'est pas pour faire plaisir à ta maman quand elle est encore vivante. Si ce n'est pas pour faire plaisir quand il est encore vivant. Donc, là, je vais aller m'asseoir là-bas.
Tu es là. Non. Agnès, ah non. Justine, s'il te plaît, ma grande soeur, c'est toi qui es dans la cuisine, comme tu as la serpillère. Passe un peu la bière là-bas. Je vais poser le téléphone. C'est au frigo. Hein? C'est au frigo. Oui, c'est au frigo. Je mets bien au frigo. J'espère que tu n'es pas encore passé par là. Je n'avais pas encore vu. Je n'avais pas encore vu. Voilà, voilà la bière de l'autre, des Kati. Il y a un moment, mais il y a beaucoup de Kati là. Comment on va dire? La Isenbeck, c'est en journée. Et le soir, c'est la Guinness, voilà. Non, la Isenbeck me va bien. C'est une bonne bière. Elle me va bien. Mais Jean, allons, on va s'asseoir là-bas. On va bien causer. On va bien causer. Hmm? Elle a dit, célébrez-moi vivante. Donc, comment voulez-vous que, si jamais il y a un truc comme ça qui arrive, et que je me retrouve à pleurer après. On ne pleure pas à l'heure là. Parce que tu sais que au moins, s'il arrive que Dieu demande aujourd'hui que... Allez, regarde, confirmez ma bière. Confirmez d'abord ma bière, après on cause. Moi, je suis en short. Hein. Comme vous riez mon short l'autre jour et tout ça là. Hein? Confirmez ma bière. Moi. C'est Bichounette. Mon dos, si c'est seulement pour porter mon mari. Hey! Oh, wow, tu as raison. À la vôtre. Je n'invite personne. Hein. Je n'invite personne. Attendez, il me met bien parce qu'on vous connaît. Vous êtes là. D'abord, est-ce que j'ai même le temps? Je vous gère même. Moi, je n'ai pas les cuisses noires. Je ne suis pas comme les gens là. Face à face, les yeux dans les yeux, ma Camille me n'est mis face à face. Attendez, cache. On vous connaît. Il y a dans la fesse pour nous. Donc, il était en train de dire que il ne faut pas que le jour que Dieu la rappelle, et puis on va commencer à regretter. On ne regrette pas la qualité là. On est content. Ma Camille face à face, les yeux dans les yeux, me banchote. Ma Gigi Rebelle Miwe. À la vôtre, mes gens. Donc, quand elle va, on va fêter ça le 9. Ceux qui veulent venir, vous venez. Hmm? Ceux qui veulent venir, vous venez. Moi, je n'invite pas. Vous savez qu'ici, là, j'ai les amis de mes frères sont mes amis. Mes propres amis sont là aussi, c'est vrai. Les amis, on est tous là. Vous voyez, non? Donc, ceux qui veulent vraiment venir, moi, je ne vous dis pas que ne venez pas. Mais je sais une chose, c'est que les gens vont manger, les gens vont boire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fête pas en bain. C'est ici au pays qu'il y a le vrai goût de fêter. Tu vois comment les gens discutent la nourriture. Tu vois comment les gens emballent. Tu vois l'ambiance même qu'il y a, que les gens sont là et tout ça là en train de s'amuser. Voilà, là ça dose le goût de ça. Donc, si vous voyez que je ne suis pas souvent trop connecté, c'est parce que je profite d'abord pour me reposer. Je profite propre. Et je ne vais même pas mettre long. Ton teint est machallah, n'est-ce pas? Ah, et c'est blague, c'est de l'or, non? Je vous dis ça chaque temps. Pardon, laissez-moi faire ma mbenguiste au Cameroun. Je fais ma mbenguiste au Cameroun. Donc, vous voyez, non? Valentine, toi, tu es seulement modérée. Tu ris quoi, non, ma chérie?
man you beer, man beer. Donc je suis un peu là, je cause avec vous. Je vais aller à un institut aujourd'hui. Parce que même pour se balader, tu vas aller te balader où? J'ai peur de me balader pour que le petit argent que j'ai ramené ici là, il faut être conscient. Quand tu viens pour investir ici, fais d'abord ce que tu as à faire. Au besoin, tu te caches même d'abord. Tu réalises ce que tu es venu faire et après tu pars. Là, tu peux même sortir même devant tout le monde et tout. Là, on te voit, on te demande ce que... Ok, donc tu es là. Voilà. Mais, comme on est arrivé, voilà déjà deux week-ends qui sont en train de passer. Et le troisième week-end arrive, c'est là où il y aura la fête. Je ne vous dis pas comment c'est difficile. Parce que entre les gens qui viennent te rendre visite, ils te demandent que c'est comment. C'est comment là, ça veut dire que c'est... Il n'y a pas quelque chose... Tata Doudou, j'aime beaucoup ta joie de vivre. Merci beaucoup, Dorette. Hein? Tu n'as pas quelque chose et tout. Tu parles quelle langue? Le Betty. Donc, tu es même là, tu as même peur que l'argent finisse. Mais je suis contente et fière de moi parce que je suis partie avec mon fils d'ici là. Il avait 4 ans. D'accord? Et de 4 ans là, il est revenu après le décès de mon papa. Hein? Après le décès de mon papa, il est revenu ici. Ils ont fait un an d'école. Il est retourné, il avait, je crois, 8 ans. Quand il est reparti en Bé. De 8 ans là, jusqu'à ses 28 ans, c'est là où il vient remettre ses pieds ici. Je ne vous dis pas comment Alain est épanoui. Bichinette encore, c'est la magie. Parce que elle, vous savez, les enfants, les filles, là, comme je vous avais dit, qu'elle a un caractère très fort. Donc, c'était déjà devenu qu'il fallait qu'elle voie autre chose. Mon fils n'est pas marié, pardon, viens. Viens le dépuceler. Il a encore l'esprit, ben, on a fini avec lui. C'est maintenant qu'il est parti dormir. On a fini avec lui. Ça fait 2 jours, il ne dort pas bien. Il est content, la magie. Maintenant, il connaît déjà un peu la valeur de l'argent. Mais ça lui fait plaisir d'être entouré avec sa génération et tout ça là. Et de projets même. Je ne vous manque pas. Parce que je l'ai amené ici, là, c'est pour qu'il se réadapte un peu. Il se réadapte. Après 20 ans, vraiment ma réussite, c'était de l'amener. Après, on va aller doucement. Mais Jean, tu accouches, tu ne sais pas ce que ton avenir sera. Tu accouches, tu ne sais pas comment ça va se passer avec même tes enfants que tu as. Alors, on va dire que je l'ai accouché ici. Il y a les enfants que tu accouches ici, là, tu les amènes en Bénin. Ils te disent que, oh, pardon, ne me parle plus jamais du Cameroun. Vous voyez un peu le genre, là. Mais lui, il est arrivé ici, il est tellement fier. Il est tellement... Je vous dis que c'est la magie. On l'a sorti un peu, on lui parle. Je vous donne un peu des anecdotes, un peu genre... Tu aimes quoi? Hein? Écoutez la conversation des jeunes. Hein? On lui pose la question que, tu aimes quoi? Coucou ma grande soeur Pauline, je suis en Vogada. Au bout de ça, merci beaucoup Tania Nancy, merci. Choco Caprice, hey, ma haircut color. Ouais, celle qui me sublime là. Maman, quand elle a fini de faire mon petit make-up léger là, je dis que laisse tomber comme hier. J'étais en basket, tranquille. J'étais à Bastos. Oui, on m'a mis dans les petits coins, genre, petit whisky. Genre là, et la vie, hein. L'argent est bien. Ouais, laissez-moi vivre, l'ambenguiste de ça. Aïe, ça avait le goût mal. Bon, donc on demande à mon fils que tu aimes quel genre de piment. Parce que les filles ici, on les qualifie en piment. Vous voyez, non? Parce que vous savez qu'il y a des piments doux. Il y a des piments qui piquent. Il y a des piments qui sont forts.
Il y a des piments où le piment est encore jeune. Ça pique moins. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est encore un piment. Ah, on zappe vite. C'est là, mais on zappe vite. Après, il y a des piments qui sont forts. C'est là, rouge. Donc, ça veut dire que c'est encore un genre. Ça va, quoi. Voilà. C'est déjà mûr. Voilà, un piment mûr, un piment qui a goûté. Parce qu'un piment qui est encore vert, là, ça veut dire que les cinq sont encore. Moi, monsieur. Moi, monsieur. D'après leur explication. Hein. Et ma grande soeur, ça te retient. Les lunettes de la star. Star Hoha. À Facebook, Star Hoha. Écoutez les commentaires, pardon. Je dis que. Donc, on lui dit piment vert. Piment vert, ça veut dire que les seins sont encore debout. C'est frais. Comme pour Fabie, là, viens ici. Mais Fabie est déjà un piment rouge. Mon tessin ici, là. Voilà. Ça, c'est le piment vert. Les seins sont encore debout. Elle est encore innocente, là, et tout ça. Mais. Elle veut essayer, mais ça fait un genre. Piment rouge, ça veut dire qu'elle connaît déjà. Et le piment jaune, c'est ma part comme moi aussi. On m'a demandé que, ben, comme toi. Hey! Ça veut dire que je suis à cuite, fini. Les cinq sont déjà plates, tac, terminées. Trois enfants. Trois enfants, à partir de trois, quatre enfants, c'est ça qu'on appelle piment jaune. Ok! Ouais! Piment rouge et piment rouge. C'est quand elle a goûté, elle connaît déjà, c'est là. Voilà, un genre de piment et tout un genre là. Hein? Non, Fabie n'est pas innocente, c'est pour ça qu'elle dit que c'est un piment rouge. Mais je parle de la qualité de piment. Ouais, on pose donc la question à Alain. Lui-même, il dit que c'est quoi piment rouge, piment jaune. Je comprends rien là. Il fait le blanc. Il dit que piment rouge, piment jaune, benguiste. On entend le noyer avec les expressions d'ici là. Merci beaucoup, ma coquette. Bisous. Et qui est Marie-Noël Kouassi. Ouais, il dit que. Je te dis que ma grande, c'est le temps de ça. Sans filtre. Je suis à ces aides de l'or. Donc, Fabie aussi vient secouer. Oui, j'ai dit que les enfants là sont épanouis, c'est la magie. Pour Natacha de Monaco, alors, hey, je ne connais pas la qualité de piment là qu'on appelle. Je ne connais pas la qualité de piment là. Je ne connais pas comment on peut qualifier la qualité de piment là. Ma part qui tombe ici, on appelle ça piment jaune. Maman. Hein? Ma part si, c'est à dire j'ai 3, 4 enfants, n'est-ce pas? Comme j'ai 3 là. Plus les autres enfants, les enfants, petits-enfants même et tout. Donc moi j'ai un piment jaune. Hmm? Mais je pique encore. Tu vois, non? Piment jaune et tout, mais je pique encore. C'est pas le piment pourri, hein? Parce qu'il y a aussi le piment pourri. On pose la question à Alain que bon, toi tu es quel genre de piment? Après on lui dit bon, si tu l'expression du piment te dérange, on va t'amener dans un jardin d'Éden. Hein? Un jardin d'Éden où il y a les pommes vertes, les pommes rouges, les pommes jaunes. Oui, les enfants d'ici, hein? Laisse tomber. Cause avec eux, tu vas comprendre beaucoup de choses comme ça là. Et moi j'aime ça parce que je suis une donne mater. Qui ne va pas vieillir, je suis là. Bango, bango. Parfois, même quand je les vois comme ça, ils me demandent que c'est moi-même qui ai accouché l'enfant. Si. En même temps, ils me respectaient. Parce que comme ils venaient là, ils discutaient souvent avec moi. Ils pensaient que, oh non, la matière avec nous et tout. Quand ils ont vu Alain, non, ils voient le colosse. Ils respectent. Hmm? Ils respectent. Naomi, tu me dis de rester naturel que. Je vais aller prendre le surnaturel pour mettre où il n'y a pas la place pour ça. Elle dit que. Maman, tu as vu Maman Nanga? Elle était là. Chez?
Maman n'a pas parti. A peu près, toi, mon doigt, j'ai dit. A ce moment, pour moi, quoi. Donc, elle dit, ils lui disent que ouais, c'est quoi, tu veux quel genre de pomme, tu aimes bien quel genre de pomme, les pommes vertes, vous voyez comment les pommes vertes, elles sont, comment elles appellent encore là, les pommes vertes, ça a un nom là, parce qu'il y a les golden aussi, il y a un autre genre là aussi là, hein, donc il y a tout ça, vous voyez un peu non, donc jardin d'Éden. On est dit, dans le jardin d'Éden, tu vas choisir le jardin. Ouais, les expressions ici au pays, ça a le goût mal. Et tout ça, il faut vivre ça sur place. C'est pas des choses et tout. Alors on a dit à Alain que choisis. Hein? Alain dit que j'aime le piment rouge. Rouge. Il dit que rouge, un piment qui pique. Le rouge. Là, on est en train de le baptiser. Là, on appelle ça baptême. On appelle ça le baptême. Ah oui, oui, oui. Le baptême. Réponds même à mon bonjour, Tina. Bonjour, non. Ok, ma grande soeur. C'est comment? Je vous ai baissé à Facebook là toujours. J'ai dit que... Tu as fini les courses. Non, je partais à l'hôpital. Je n'ai même pas encore fini. Je reviens là. Voilà. Elle a qu'à finir. Je vais prendre la vie. Ah, au fond, non, il y a les tissus. Hein. Venez acheter les tissus. C'est 5 000 au pain. Moi, j'ai le bien pris pour moi. Elle, c'est ta mère. Et Huguette. Ah, Huguette. Hey, je vais prendre pour elle, mais qui va épouser? Je vais prendre. Moi, je pensais qu'elle avait déjà pris. Non, je vais prendre pour ma fille. Hey, pardon. Elle a, il y a une autre personne qui m'a donné comme elle veut prendre de l'épargne. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné l'argent qui mélange. Elle ne veut pas prendre un pain avec les enfants. Pour leur coup de petits trucs et tout, un genre avec. Les restes des tissus, tu vois, non. On associe et tout et on met avec. Mais non, tu peux prendre un demi-tissu. Oui, je vois qu'elle vend les demi-tissus là. Non. Demande-lui un peu. Elle m'a dit que. Pardon. Demande-lui un peu voir. Ché, tu as les demi tissus. Un demi. Vous parlez le demi. Je prends pour Huguette. Tu as le tissu, toi. Oui, toi, tu as appris, non. Agnès a déjà appris. Oui. Je prends pour Huguette. Parce que moi, je connais demi pour Huguette. Avoir un à Huguette, comme ça c'est un coup avec les petits bouts là. Tu vois non? Elle peut faire un mix avec les enfants. De toutes les façons, je vais la voir lundi. Elle vient quand? Lago? Elle vient quand? Elle vient? Je sais pas. Nous on doit aller là-bas. Hein? On va à Balmayo lundi. Elle ne travaille pas le lundi. Elle n'a plus le travail. Elle n'était pas hospitalisée là. Elle est sortie. Elle a même travaillé le lendemain. Et que? C'est quand cette. La fin d'année, il faut booster. Donc, comme elle voudrait aller à son rejet bientôt, juste donc, elle a dit qu'elle veut travailler sur la ferme là. Pour rester avec un congé maternité. Elle va prendre 3 mois. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est bien calculé.
Bien brûlé. Coucou Malélène Menir, ça va? On peut mal au bar. Allons au bar parce que là ça commence à causer sérieux. Là. Je ne veux pas qu'on écoute des conversations sérieuses de famille. Maman Montaigne, déjà, ma couleur brille encore ici. Là, la magie seulement. Toutes les perruques que j'ai amenées, ça ne sert même à rien de mettre. Ma couleur déjà ici, je te dis qu'elle est un code color. Mais elle est bombardée la perruque le jour de l'anniversaire de maman. Eh, pardon, benguiste. Benguiste, mais comme, même comme je ne supporte pas la chaleur. C'est grave. Hein. La ménopause n'est pas bien. Hein. Moi, je vous dis là, les gens qui sont là, vous vous moquez de moi et tout ça. Attendez quand votre tour va arriver. Demandez aux anciennes ménopausées là. Elles vont vous dire, c'est la magie. Comment tu peux te réveiller dans la nuit avec la chaleur ici? Même comme il y a le ventilateur, mais tu ne peux pas mettre le ventilateur sur toi. Parce que ça donne les... Ça donne les... Tu me prends même pour qui? Pardon, viens prendre. Hey, on ne me manque pas de respect. Je suis quand même Madame Choukroune. Hein? Moi-même, je t'attends aussi. J'attends le remboursement. Oui. Quand il parle souvent mon anglais, là, il se moque de moi. Voilà ta part. Don't blagging with my marchandise. C'est ça même. Alain est KO là-bas. Alain est rentré à 11h. À toi, fois à barre. Hein? Tu as mis dans la chambre. C'est Bichelin qui a la clé, c'est pas moi. Tu as même bien fait. Il est rentré à 11h. À deux fois, hein? Lui seul, la 33. Lui seul, la booster. Lui seul, la Beaufort. Lui seul. Et tout passait. Hein? Juste il vit demain encore l'autre. La Isenbeck. La Beaufort Light. T'as pas de goût que tu bois là. Ah. Ah donc il y a light et ordinaire. Il dit qu'il boit la Beaufort, ça c'est pour temporiser un peu. J'ai dit que tout ça c'est l'alcool, tu ne temporises rien. C'est l'alcool. Tata Doudou, ça va mieux, tu avais raison hier. J'étais en table ronde avec tout le staff. Parmi les anesthésistes, il y a un Camerounais et un Guinéen pour mon opération. Mais oui, ma chérie, quand on va te faire ton opération, là, ça va bien se passer. Et tu me diras. Tu crois qu'on est des sœurs pour rien? On est des sœurs, on ne s'est jamais vu. Tu es en Guadeloupe, moi je suis au Cameroun. Mais nous sommes liés. Nous sommes liés parce qu'on s'aime. Les Missungues, nous on s'aime. On s'aime pour rien. Opportunité d'affaires, business en ligne. Waouh, désolé pour ceux qui vont sauter ça. Que ta maman vive jusqu'à ta réussite. C'est qui ça? Et que ta maman vive jusqu'à ta réussite. Qui a dit opportunité d'affaires? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Marie-Hélène Oiseau, comment ça va ma chérie? Oh, je connais mes Missungettes. Ah, du moins celles qui sont bango bango avec moi. Parce qu'il y en a qui sont bango bango. Oui, oui, oui. Bango bango. Quand je vais mettre les perruques Air Code Color, ma fête là, ça brille ici au sol. Et je dis que regardez ma coupe. Ma coupe ne ressemble pas aux coupes qu'on voit ici là, avec les cheveux de feu et tout ça là, la poussière et tout ça. Mais on sent que tout de suite une bendice. Et quand je fais mon petit make-up léger là, maman, le goût de ça. Ici, on se réveille avec la bière. Ah oui, petit déjeuner ici, c'est la bière. Ce matin, j'ai mangé l'œuf avec le plantain. Maman, la constipation de ça. Un bangabi. C'est-à-dire que les gens que tu pousses le caca comme ça, parce que ça va te constiper. Hein. J'ai mangé de ces arrière-goûts. Parce que tu tombes tout le temps dans la même chose.
Tu es en Beng là-bas. Oh, croissant, chocolat et tout. Ça, bref, en fait, c'est tout ça qui fait en sorte que tu veux quelque chose de chaud. Mais ici, là, tu te lèves, il fait déjà chaud. Donc, forcément, tu vas manger soit pas la nourriture qui est restée, parce que c'est un peu rare, mais tu vas manger quoi. J'ai une de mes cousines qui est venue me rendre visite. C'est même elle qui m'a dépanné là. Ma cousine là, elle est venue me dépanner. Elle m'a donné 30 000. Et moi-même, j'avais 10 000. Donc, elle me dit que ma soeur prend. Ça va t'aider pour tes bières, les petites dépenses et tout. Ça, c'est les vraies filles. Elles connaissent. Ça, c'est là. C'est ça ici qu'elle m'a donné. C'est ça là. Ça, 30 000, c'est à raison de. Voici 50 euros. 32 000. Voilà 50 euros ici. Ça. 10 000. 10 000, c'est 15 euros. 15 euros. 15 euros. 15 euros. Que c'est ça. Les miettes dessus. 32 500. Bref, 33 000 mètres. Ça te fait 50 euros. Donc, on va dire que voici 50 euros que j'ai en bouche. On va gérer la journée. Je vais dire merci pour ma soeur. Ça va vite ici. Hein. Ça m'énerve ça quand tu fais ça. Je ne vois plus la doudounette que je connais. Quand je fais quoi? Que doudounette? Tu parles de quoi là ma chérie? Tu fais quoi? Je suis en direct. Tu fais le Congo ça. Fais le Congo ça. Faut seulement rigoler. Faut pas t'énerver. Tu rigoles seulement. On la drague ici jusqu'à les Camerounais. Elle aime les fesses. Il n'aime pas les fesses, il aime la fesse. C'est général. Elle est ici partout, partout. Les taxis se tamponnent. Les gens qui ont les bains skinny et tout ça. Hey! La blanche! Oh wow! Oh wow! Elle me raconte tout. Même si elle rentre à 2h, elle me dit maman, maman, écoute, après le Congo ça. Elle dit laisse-moi dormir, on va faire le Congo. On a fait le Congo ça le matin. En plus, je la tiens souvent pendant une heure. Pendant une heure, elle me je parle seulement. Elle écoute même pas, elle dort. Elle me raconte tout. Maman, tu sais quoi? Tellement draguée. Elle a dragué. L'autre a dit comme ça. L'autre a dit qu'on parle là-bas. L'autre a dit qu'on fait comme ça. L'autre a dit. C'est que ma fille, tu sais que dans la tête là, après le reste, amuse-toi. Elle ne peut pas t'empêcher. Elles connaissent. Mais je demande, ça le coupe même par où? Tu sais qu'elle demande comme ça? Oui, jusqu'à. Jusqu'à tu as une nouvelle lunette. C'est lui qui m'a donné. Hé hé, les cadeaux de ça! Il m'a donné la power bomb. C'est comme pour les bébés ça. C'est pas grave. La bique? Tu dis quoi? Tu vas au marché central? On fait comment alors? Va avec elle, tu vas faire le marché. Mon fils. Depuis quand Aline est partie, est-ce que je l'ai même encore vu? Mais là où il est. Ok, tu n'as pas encore vu là. Hein? Je n'ai pas vu. C'est pas le numéro de Leslie ici. Ici? Elle ressemble à lui. Mais si? Non, c'est pas toi qui lui ressemble, c'est Leslie qui te ressemble. Voilà. C'est bien de rectifier. Tu lui ressembles jusqu'à vous avez la ah même bon? Tête, oui. Je lis comme ça. Va avec elle. Il ne faut pas distribuer ça. Hein. Parce que c'est Alain qui m'a dit. J'ai acheté le pain à ta soeur. Ta soeur n'a pas encore le pain. Donne-moi vite alors. Parce qu'elle était demandé d'arrêter. Parce que je n'avais pas le sac. Elle était demandé d'arrêter. Pas prendre. Tu arrêtes seulement. Après, quand j'ai besoin, tu me redonnes. Il faut. J'ai demandé à Alain qu'il me prête 500. Il m'a donné 10 000 fois. J'ai pris. Distributeur automatique. Oui. Anekao. Adourna 11 à 20 fois à toi. Il a même acheté à boire aux gens. Moi, j'ai dormi toute la nuit. Il était avec sa soeur. Non, elle n'a pas raté. Ils vont se voir. Je vais le voir, non. Tu vas voir après.
Tu dis à Eguette que... Parce qu'elle va me dire, hé, maman, depuis que tu es là, même pas un coup de fil. Demain, peut-être, je ne sais pas. Demain? Oui, non, ou dimanche. Je ne sais pas, on ne connaît pas vos programmes. Non, parce que dimanche, il y a le pot d'arrivée d'Alain. Ah, on sera là. Qui va faire le pot d'arrivée? Alain. Ici. Oui, il n'a pas encore fait. Oui, est-ce que vous avez envoyé les messages? Il doit envoyer. Comme il attend que sa secrétaire vienne, je vais envoyer parce que sinon personne ne pourra faire le programme. Mais il faut leur dire, hein, ici les week-ends ça va vite, tout le monde est occupé. Hein. Oui, parce que sinon ils ne pourront pas s'organiser. Le dimanche est souvent un peu compliqué parce que le lendemain on travaille. C'est ça que je dis, mais. Il faut, et vous devez que faire ça ce week-end. Il y a d'autres qui vont encore à l'école. Voilà, c'est ça. Et le travail, l'école et tout ça. Là. Hey, les Missungettes, on va aller rendre visite à aujourd'hui là. On va aller en Colombo, mais. Mais négocier 54 euros, ça va te faire quoi là? Même pas une tournée avec tes amis. 50 euros, ça fait 32 000, c'est beaucoup. Ça fait déjà une tournée. Oui, voilà. Une tournée, c'est bon. Avant, tu vas servir au parfum. Non, je vais te regarder un parfum là-bas. Je n'ai pas amené le parfum cette fois-ci. Même ma teinture, dont tu m'as parlé, tu n'as pas pensé à ça. Non. Heureusement, je lui ai apporté. Je lui ai vendu les teintures. Ah ouais. Je lui ai dit, moi, je ne l'ai même pas. C'est le genre que ceci là sur la tête là. Ah ok. Non, non, j'ai pas ramené. Oui. Je suis là, je voudrais même arriver au marché central, mais avec les embouteillages là. Ça fait des embouteillages là ici, mais c'est la magie. Le parking même. Mais il y a un truc que j'ai apprécié ici là. Mais si vous arrivez, vraiment, venez-moi, non. C'est le Yango. Yango, c'est comme le Uber. Mais tu vas en là-bas. Yango là. Hein. En tout cas, moi j'ai pris ça. J'ai été satisfaite. Nickel. Il y a un téléphone qui sonne. Le téléphone de mamie. Le téléphone de mamie. Ça doit être Tata. Elle est partie. Voilà ça. Elle est partie dans la. Le prix, c'est 11 500. C'est ce qu'elle m'a déjà appelé, mais le téléphone est dans la chambre. Je ne peux pas calculer, mamie. Mamie, pour. Tu as d'abord. Attends, laisse, elle va venir. Laisse, elle va, on va seulement lui dire. Non, non. Elle est retournée dans sa chambre. Il faut que j'aille le rejoindre. Où? Et j'ai resté seule. Là-bas. Il y a Guy Marcel. C'est Guy Marcel. Oui. Mais envoyez-moi un truc, non? Il est assis à côté de la porte. À côté de la porte. Oui. Envoyez-moi un truc, non? Tu vois, tu reviens. Oui, vu que j'ai faim. Attends, on a mis la queue de bœuf, on va aller voir la queue de bœuf là. Il va bouder. Les parfums et crème de main. Tous les mbengis se supportent ça. Il y a quoi à chop là-bas? Pardon? Il y a quoi à chop là-bas? Tu es chez Guy Marcel? Oui. Ah, ils ont fait le rôti. Le rôti là qui est comme la pâte de, je sais pas quoi, la pâte de tomate là. C'est quoi avec vous? Non, j'aime pas. C'est vrai que ça que je vais manger ici là. Le rôti. Ils n'ont pas fait le poisson? Non, elle n'est pas encore là. Non, les gens ne sont pas encore là. Non, ils ont fait un bon poisson brisé hier. Qu'est-ce que c'est un chop là-bas qui a que... Je veux grignoter, je veux quelque chose de... Je veux un petit piment, un genre. Il y a quoi? L'œuf. Comment je mange l'œuf le matin, je mange encore l'œuf à midi. Hein? Je vais la demander alors. Mais les femmes du poisson sont pas là. Ouais, Lago. Bon, j'arrive. Ouais. Elle m'a attrapé de venir dire bonjour à son direct. Ouais, la matin même va venir répondre. J'arrive. Tu dis à Huguette qu'on est là-bas lundi, hein. C'est mamie. La loi. Après tu viens. Je me fais une grosse tête. La drague jusqu'à le show a donné les lunettes. Oui. Fabien dit que c'est quel discours ça? Discours de quoi?
ce que je t'ai dit à l'oreille. Tu es partie dire à ta sœur. Oui. Vraiment, c'est à elle-même que j'ai dit d'abord. C'est à elle-même que j'ai dit d'abord. La loi, tu as quoi là-bas à manger? Est-ce qu'on peut grignoter vite fait là? Et dans les gens. Et ça, apparemment, j'ai l'air de ça. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Il faut qu'il dérange trop. Tu dis qu'il y a quoi là? La viande. La viande, quand on fait au feu derrière là? Il y a une viande, le bouillon qu'elle avait d'abord préparé ici. Le bouillon qu'ils ont mangé ce matin. La viande est de l'orque au jour. Oui. Il n'y a pas le poisson. Ah, il y a le sanga. Chauffe-moi, j'ai oui, avec le maïs. J'ai mon assiette. Quand vous mangez bon seulement, laissez-moi. Mets-moi même deux maïs là, tu vois, non. Comment tu mets dans la marmite avec la cuillère et tout. Tu chauffes dans la marmite. Ne chauffe pas au micro-ondes. Il reste quatre marmites. Quatre maïs, il faut prendre un. Qui a mangé tout le maïs là? Comment ça, il reste quatre? Il reste quatre maïs. Qui a mangé tout le maïs? Non, il faut lui donner un maïs. C'est comment avec vous? Elle connaît la loi, non? La loi connaît, je vais finir avec elle, cette tante. Dongo, comme Fabi t'appelle. Dongo. Ça va? Il aime la télé. Quand il prend sa pause, il aime la télé. Il a fini d'étudier, là. Non, il va aller à 16h. Non, mais là, il étudiait. Tout à l'heure, derrière. Mais... il a fini d'étudier, c'est bien ça. Il prend sa pause. Hier, elle était fatiguée. L'envoyer même se coucher, il forçait. Donc, tu bois la bière sans manger. Arrête, Bakop. Non, j'ai mangé le matin, non. J'ai pour le petit déjeuner le matin. Ici, on se lève tôt, hein. 13h04. Ça, c'est l'heure du manger. Ici, on mange partout dans Yaoundé. C'est ma date de naissance. La bonne nourriture partout dans Yaoundé. C'est à midi, le soir, hein. Le soir, il n'y a que les braisés, des petits trucs vite fait là. Le soir. Mais si tu veux bien manger, c'est à midi. On peut aller dans un restaurant là, quelque part, vous allez voir, ils proposent de tout et de rien. Voilà. Mais nous, on mange à la maison. On mange à la maison. Quand on peut, on nous sort aussi un peu. Bon, voilà, on va se faire plaisir. Donc là, j'ai envie de grignoter quelque chose comme vous. Oh, toutes celles-là toujours en train de manger. Vous croyez que sur ma page, je suis venu vous montrer quoi? Moi, je ne suis pas riche. Je n'ai pas les immeubles. Je n'ai pas... ma part d'immeuble, c'est ce que vous voyez, ma vie là, que vous voyez, c'est tout. Les pois de ça. Ah bon? Les pois. Laisse seulement ma soeur. On mange. Dans la vie, il faut manger. J'attends, je vais manger le maïs. Le maïs, on va me chauffer le sanga, le goût de ça. Ici, là, on boit chaque temps, le goût de ça. Je suis au pays, regardez comment je deviens belle au pays. Ça dit que sans effort, je me lève le matin, je finis de laver mes fesses propres avec l'eau froide. Parce qu'ici, il n'y a pas d'eau chaude. L'eau froide, tu mets le pomodo là-bas, tu mets un petit gel là. Tu vois comment ça te rafraîchit partout. Je lave mes aisselles, le visage, tac, c'est bon. Parce que tous les soirs, il faut se laver. Tous les soirs, on se lave. Tous les soirs. Tu ne peux pas dormir comme ça. Là. Moi encore là, ménopausée de mon état confirmé. Parce que je suis une ménopausée confirmée. Vous voyez un peu, non? Donc, quand tu vois les grosses gouttes d'eau, la sueur là, tu transpires là. Tu restes comme ça, tu dis mince. Tu te lèves seulement, tu vas encore te redoucher. Parce que pour dormir, il faut encore se redoucher. Et dans la nuit, encore tu te lèves pour bien dormir encore. Donc tu te douches même deux, trois fois. Okay. C'est quoi? T'es fatigué. Ça laisse qui? L'ambiance là est trop dure. Je comprends pourquoi tu es souvent fatigué quand tu rentres. Tu veux seulement dormir. Vous comprenez beaucoup de choses ici, c'est le goût. La fierté de ça, de ramener ses enfants. Bientôt, je serai celle-là aussi. Je vais verser l'eau sur moi. Dans 30 minutes, tu m'appelles, je vais verser l'eau sur moi. Il fait chaud. Ah, si, hein? Ok. Tu me gardes. Tu gardes quoi? C'est comme ça qu'on dit ici quand tu parles, non? Tu me gardes.
C'est qu'il faut garder quoi? Bon, si tu réponds que tu veux que tu gardes quoi? Tu me gardes hein, quand nous sommes. Tu me gardes hein, dès que la personne revient. Tu m'as ramené quoi? Moi, je vous dis que je suis tellement contente, je suis tellement fière. Je veux dire que j'ai réussi mon bain. Pas tout à fait encore parce que bon, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux dire que j'ai réussi là pour l'instant parce que j'ai pu ramener mon fils. Il est épanoui, il est content. Ma fille, contente. Pamisunga, très fâchée. Pamisunga est fâchée, vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait voulu venir. Donc il m'a fait des problèmes. Il dit qu'on a fait exprès de mettre cette date pendant la période scolaire. Alors qu'on aurait pu repousser ça et que nous tous, nous soyons ensemble, voire même passer les fêtes au pays. Je dis, mais quand je suis alors partie l'autre jour à Air France, là, mes gens, pour vous dire, quand je suis partie l'autre jour à Air France, là, je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu au niveau des billets. Mon frère, 1000 euros. Pour repousser un peu, non. 1000 euros. Hi, on me donne les 1000 euros là maintenant. Il faut m'épauler, hein, mes gens. Avec l'anniversaire de maman, là, vous qui vouliez cotiser pour maman, là, c'est maintenant. Hein. Fabi, tu bois l'eau. Hey! C'est la thérapie. Oh, wow! Il faut mettre le citron dedans. Je dois te faire la même chose. Va mettre le citron dedans. Maintenant même, l'eau que tu bois là. Fabi, bois l'eau. C'est important, santé. Fabi, bois de l'eau. Mettez les germes, l'eau c'est la vie. La bière aussi. Fabi peut te boire au moins 2 casiers de kadi par jour. Comme vous la voyez avec son petit corps là. Bon, donc voilà mes gens. Ceux qui veulent aider maman, il n'y a pas de souci. Elle est à l'eau. Elle est restée, je te dis ma Lélène, elle est restée jusqu'au matin. Elle et son frère, elle n'a pas supporté. Elle est rentrée vers 7 parce que ici, hein, à 6 heures, tu es debout. Oh, mon frère chéri est là. Oui, oui, on m'a dit que tu fais le direct. Ah, l'américain, ouais, ouais, confirmé, ouais, 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 ouais. Confirmé. Bonjour les misunguettes. Bonjour. Bonjour les misunguettes, on a commencé. Voilà, on dit bonjour avec la bière. Le pays a le goût, hein, bras. Ouais, moi. Comment tu es parti, hein, mon frère? Tu me dis pour le au revoir, non? Laisse-moi, j'ai fui, non. Tu es remonté. Je suis remonté. Je te salue. C'est qui? Ah, ma sistou est là. Quoi? Viens alors, je mets là-bas. Viens. Vraiment, la fille, c'est. Je sais pas qu'elle peut finir avec toi. Donc, tu vas pas m'embrasser. Ouais. Donc, tu m'embrasses pas. Hein? Tu sais que. On a des problèmes, non? Ouais. Oui, okay. Je l'ai dit, je l'ai dit. Ah. Non, c'est comme ça que tu veux souvent me faire comprendre. Là. Tu veux me faire comprendre ça là maintenant. Elle peut finir avec toi là. On est rentré ce matin avec Alain. Comment tu as fait le non. On est rentré ce matin avec Alain. Elle est partie dormir à 11h. Non. Ton fils, je t'ai dit, c'est gâté. Il a un haut mal. Ok. C'est gâté. Et comment? Vous étiez où? Comment tu nous as fait ça? On était dans le coin, au balcon là-bas, non? On était dans le coin. À 3h40, les gens disent qu'ils veulent sortir. Hein? Donc on est parti au balcon là-bas, fermeture à 6h, 6h. Non, tu sais ce qui nous a failli. On a un petit bouillon. Ils ont mon téléphone. Ils ont continué. Ils ont continué. C'est son ancien téléphone. Il m'avait donné. Il est parti où? Donc la géolocalisation lui a donné là où on était. Pas qu'il appelle. Maman est partie se coiffer, maman a dit qu'il était déjà au réveil. Il a laissé son téléphone, c'est pour ça qu'il ne décroche pas. Qui? Là. Il est où? Elle l'a mis à charge. Ah, tu l'as appelé? Donc, ça veut dire que tu m'as aussi appelé. Fabi, pardon, prends le ventilateur. Pardon, prends le ventilateur. La peinture. C'est comment, non, mon frère? Ma sister. Tu as dormi à quelle heure? Non, moi, je suis allé dormir. Minuit, moi, j'étais au lit. C'est bien, ça. Non, non, bras. Okay. Tu crois que. La Isenberg m'a dépassé. Je ne sais plus qui m'a acheté la Isenberg, là.
J'ai coupé la tête. Tu vois, non? J'ai coupé la tête après. Je vais encore lever le coude comme ça, là. Non, j'ai vu que ça me passait plus. J'ai dit que mieux. Parce que là, je nous ai pris le poisson. Tu es encore là, non? Non, tu es parti. Et que tu as pris le ciel, ça les attendait, Seigneur. Tu as pris le poisson, tu es parti. J'ai pris le poisson chez Guy Marcel, là. J'ai pris la sole avec je suis parti quand tu as commencé à aller laver les gens qui ont mangé le faux poisson à nos enfants, là. Voilà. Donc, quand ils ont ramené avec la vieille, c'est là, on a choc ça là. Non, le poisson était bon, le feu. Ah bon, hein? Hey, je ne voulais pas gâter ma bouche avec autre chose. Voilà, mets-nous le ventil au mat. Appuie en haut. Elle connaît. Elle a foutu le mauvais bouton, je crois. Non, c'est un, voilà. Voilà, tu vas lui dire appuie en haut. Comment le ventilateur? Ça fait comme ça veut tomber, c'est comme ça, la tendance de ça. Il y a un, le ventilateur, c'est pas neuf. Si c'est neuf, ça c'est ce qu'elle a acheté. C'est ce qu'elle a acheté, c'est neuf, non? Oui. Ça bouge comme ça, pourquoi? C'est comme ça, non? Ça fait comme ça, là. Ça tremble. Tu étais avec. C'est le même day avec Karine. Et Karine n'est pas venue. Donc tu es muette, là. Merci. Ah, oui, tu peux là. Ah. Le Cameroun est bien, regardez. Il m'arrange. Petite mouche. Voilà. Tu m'as bon, vas-y, Vincent. Ça bouge encore? Non, stop. Non c'est vrai. Bon. Oui. Stop. Mais maintenant, il faut faire tourner alors. Oui. Swing. Oui. Et ça donne un bras. Ça donne un bras. Ouais. Ça donne. Hey. Il a fait ça pas trop là-bas. Il a fait ça pour 22 000. C'est ça, non? Ouais. Que je ne dise pas de conneries. 28 000. 28 000, Au lieu de 38. Il a négocié. Hein? Ouais, il a négocié. Il était avec l'autre Yannick. C'est bien. Ils ont négocié. C'est quoi, papa? C'est trop bon, même. Ça a le goût mal. Tu reçois le morceau. Ça a le goût mal. Moi, je suis allé vivre avec mon frère hier. Deux places. On l'appelle. Elle dit que non, machin. On s'est même bien occupé de toi. Elle ne peut même pas parler. Elle a peur de parler. C'est pour ça qu'elle fuit. J'étais là-bas, non? C'est pour ça que je vais adopter l'autre là, Yango. Les voitures là sont climatisées. Quand on est parti à la. Il m'a accompagné à la briqueterie là. Non, pas à la briqueterie à Air France. Yango, il y a le prestige. Donc, si tu veux le prestige, c'est climatisé. Tu prends le prestige. Il y a les simples blancs qui ne sont pas climatisés. Tu payes moins cher. Il y a deux catégories quand tu cherches le Yango là. Tu dis que le prestige ou simple. Le prestige, c'est climatisé. Non, moi, ce que j'aime. Mmh. Tu vois comme c'est souvent tard là. Qui parle de mon frère, ça? Les gens te connaissent ici. Sis Weber, c'est toi, hein? Était mon voisin direct à Efoulan, un monsieur super sympa. C'est mon frère, l'Américain. Je vais le bombarder sur Facebook, mais il est déjà marié. Je m'adresse pas à toi, si je sais. Je m'adresse pas à toi. Mais. Fais-lui un coucou. Toi-même, fais. Je te. Ouais. Non, les gens ont peur de ma caméra. Il y a beaucoup de gens qui sont là derrière. Vous ne supportez pas, hein? Vous aimez seulement me voir comme ça, là, mais... Voilà. Elle est divée, man. Elle est divée. Non, et puis quoi? On est vite au bois, non? C'est vous, comment? Hey, yeah! Hey, chacun sa chance! Eux ici sont là, hein, 400 connectés, ils ne partent pas. Ils me comptent les divers. C'est Noël. Dis-leur qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les faire. Trop mimi, oh, le Cameroun. Le Cameroun a le goût mal. Le Cameroun, moi je suis au pays. Je ne suis pas dans vos histoires. N'attendez pas le bling bling. Ok. Oui, c'est une fille, je la connais. Ah bon? C'est une ancienne. Ah, okay. Sur ma page là. D'accord. Fais-lui un coucou. Je connais Bateau. Je connais son frère. Hein. C'est une ancienne. Tu vois comment on se connaît. Il y a des gens qui me nouent. Il y
Les gens m'ont normal. Mais à ton avis, tu es dans ça, les gens vont continuer comment? Ils croient que je suis ça seulement à Facebook. Non, je représente Mvokada. Mvokumbi. Kolindongo et Sos. Kolindongo. Tout. Gars, on parle en Kolindongo. Je dois aller en Kolindongo. On fait comment chez eux? Après, j'ai mon petit là. C'est ça que je voulais même vous dire. Les Misungettes. Il y a Bertin qui a perdu sa maman. La levée de corps, c'est demain. La veillée sans corps, c'est aujourd'hui. La levée de corps, c'est demain. Pardon, il faut aider cet enfant. Ne le faites pas pour moi. Hein. Chacun fait à son petit niveau. Mais c'est un cas qui est venu tomber comme ça sur la main. Il y a Bertin, il y a Benjamin. Benjamin, je vais aussi aller le voir. Parce qu'il essaie de me joindre ces jours-ci. Coucou Pascal, mon fils, comment tu vas? Tata Doudou, c'est moi qui avais acheté ton Misunga quand tu étais venu à Strasbourg. Oui! Oui, 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 je lui ai dit que je te connais. Je te connais déjà. Que tu es une ancienne, non? Sur la page. Tu es une doyenne, comme j'appelle souvent les doyennes. Oui. Les autochtones, hein, yoba, yoba, ilan. Oui, maintenant qui, je ne prends pas le peuple. Simalène, sang, vrada. Donc, j'étais en train de vous dire que, soyons sérieux, je suis en train de, je vais aller voir, il faut que j'aille, je n'ai pas envie d'aller là-bas dans la nuit. Je vais aller chez Bertin. S'il vous plaît, je demande, je vous en prie, je sais que les temps sont devenus durs, mais faites ce que vous avez souvent fait, ne laissez pas. Moi, je vous demande, je vous en supplie, pour Bertin. Sa maman est à la morgue. La levée de corps, c'est demain. Et l'enterrement, c'est samedi. Je ne serai ni à la morgue pour la levée de corps, ni à l'enterrement. Mais j'ai envie d'aller l'assister parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas être partout. J'ai envie d'aller l'assister à... Comment on appelle ça? À la veillée sans corps. Aujourd'hui, sa maman est décédée, c'est sa maman qui s'occupait de lui. Sa maman est partie. Et Bertin se retrouve comme Benjamin. Voilà, s'il faut le dire. Bertin se retrouve comme Benjamin. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Et vous savez, une mère, c'est une mère qui connaît mieux son enfant, plus que d'autres personnes. Suzy Mary, je parle ma chose, toi tu ris. Ouais, la fille c'est même comment Mimi et Antisamoa. Donc, je dois aller là-bas. Je vais aller cet après-midi. Je vais aller cet après-midi. Si vous voulez, ne m'aidez pas pour ma maman. Parce que c'est un cas de joie. Mais quand c'est la mort ne prévient pas. Ça, j'organise l'anniversaire pour ma maman. Mais le deuil, on n'organise pas. Parce que quand ça arrive, c'est là. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus ramener la personne. Mais la joie, c'est quelque chose qu'on organise. Est-ce que vous voyez? Donc, on fait avec les circonstances qui sont là présentement. Donc, je vous en supplie. Je vais faire un direct là-bas. Vraiment avec ce, Tata Doudou et Doudou non glacé dit que tu as oublié ta marchandise dans la voiture. Ah bon? Il a encore fait une vidéo sur moi. Je vais voir ça. Il faut que je l'appelle aussi. Et Edoudoua. Edoudoua, c'est ma personne. Avec Zach. Qui m'a envoyé 1200? Marilyn! Les étoiles de ça. Aïe, 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 aïe. Mettez les cœurs, mettez les. 1200 étoiles. Et ils convertissent en euros ici. Hein. 1200 étoiles, ça veut dire que c'est quoi dans les 12 euros? Ah, c'est gentil. Okay. Dans les 12 euros, okay. Tu vois un peu. Okay. Oui, il y en a qui le font, ils sont comme ça là. Arrivé à la fin du mois, tu as quand même un petit cachet et tout ça là. Mais ça, c'est ce que je demande souvent. Voilà, mettez pour les mettez. Quand ils vont faire, donc, pour les... Benjamin a reçu un geste de la reine galloise. Je lui avais envoyé son numéro. Elle avait vivement envie et ne savait comment le joindre. Je l'ai fait. Dieu... Ah bon, c'est toi? Oui, la reine galloise m'a appelé. Il a reçu la... Oui, la reine galloise m'a appelé. Elle me l'a dit.
Mais ça, je vais aller parler de tout ça, ma chérie, tu comprends? Je vais aller parler de tout ça là-bas quand je vais aller chez Benjamin. Mais on va d'abord pour le cas qui est là qu'on a. D'accord? Je vais aller voir Bertin. Aujourd'hui, là, je vais aller le rendre visite. Je vais rester avec lui un peu. Je vais l'assister. D'accord? Parce que je ne pourrai pas être là demain. Lui-même, il ne peut pas se rendre à la levée de corps de sa mère. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il est alité. Il est allongé. Ce n'est que la tête qui bouge. Il ne peut même pas se retourner. Il ne peut pas faire de gestes. Il est assisté. Et c'est sa propre maman qui s'occupait de lui. Maintenant que sa maman n'est plus là, mes gens. Et j'ai même appris dernièrement que lui aussi louait. Parce que je pensais qu'ils étaient dans leur village, quoi, en fait. Non? Donc, ça veut dire que... Comme sa maman est décédée là, ça fait plus d'un mois, il ne voit plus sa mère. Le corps est à la morgue. Plus d'un mois. On va lever le corps de sa mère, il ne va même pas voir avec les yeux. On va enterrer sa mère, il ne va même pas voir avec les yeux parce qu'apparemment, il a encore sa grand-mère. Et sa grand-mère a dit... Il est là. Tu t'es gavé, tu es mignon. Et sa grand-mère a dit... Hein, sa grand-mère a dit que... elle ne peut pas l'amener au village. Parce qu'il n'y aura personne, vous savez, quand il y a les deuils, elle ne peut pas l'amener au village pour s'en occuper et tout, avec le deuil et tout. Donc, il va rester tout seul à Yaoundé. Vous voyez un peu, non? Ngo. Oui, je voulais parler, non? Bolet. Avant ça, alors, non? Ah. Elle ne te voit pas. Regarde pas, je m'appelle de la vidéo. Hein? Tu veux rester avec elle? Ne garde pas ça. Ok. Bon, les Missungat. Essaye alors, je vois, non? Ciao, ciao. Essaye, je vois ce que ça donne. Comment vous trouvez le, aïe, le gars métis? Ciao, ciao, les Missungat. J'ai dit que la douleur est intense. La douleur est inexplicable. Ça, on ne peut pas... Je ne sais pas comment qualifier ça, mes gens. Il y a la misère ici qui touche les gens. Hein. La misère touche les gens ici. Mais comme je dis, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Vous voyez, non? Dieu sait comment... Voilà le TGV qui passe chez moi. Le TGV de Mbeng. Il me salue, là. Ouais! C'est bon. Encore. Il est en train d'arriver. Donc, vous voyez, non? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes gens, comme vous voyez là. Ce n'est pas du tout facile. Il me prend, il m'apprend l'autre jour qu'il est en location. Et toutes les deux semaines, il va, parce que comme lui, il a une poche. Donc, cette poche-là, mon argent pouvait tomber comme ça, et mon coup. Mais tu connais le genre là que... Oui. Tu connais le genre là que tu as assis et puis tu te... Donc... il loue 20 000. Il loue. Il a une poche. Une poche ici là. Cette poche là, toutes les deux semaines, on doit changer. Donc, c'est-à-dire que c'est relié à un tube. Pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, là, les infirmières, les médecins et tout. Cette poche-là, chaque deux semaines, on enlève ça et c'est relié à un tube. Ce tube-là, le pipi descend, son caca et tout. On enlève tout. Et le tuyau-là, c'est chaque deux semaines qu'on peut changer. Donc, on le porte, on l'amène à l'hôpital central. Il y a un hôpital ici, là. On l'amène à l'hôpital central. On va en changer là-bas. 10 000. Ça, j'ai dit que je pouvais prendre l'engagement. Vous voyez un peu, non? Je pouvais prendre l'engagement. Moi, je n'ai pas envie de m'engager. Ça ne veut pas dire que tu fuis tes responsabilités. Mais je ne peux pas prendre des engagements. Vous voyez ce que veut dire, non, mes gens? Il faut être honnête dans la vie. Il ne faut jamais promettre quand tu sais que tu ne peux pas. Parce que ici, les gens, la misère est tellement énorme que si tu promets,
lui, il a déjà mis son espoir que toi, tous les mois, tu vas faire ceci. Mais moi, je suis quelqu'un qui travaille par saison. D'accord? Donc, quand j'ai l'occasion, comme je suis venu ici au Cameroun, je vais joindre avec certaines misungettes qui ont eu à cotiser. Et moi, ce que moi aussi je vais rajouter, c'est avec ça que je vais aller voir Bertin. Je lui dis que voilà mon fils. Essaye de rajouter ce que tu peux. Je ne sais pas comment tu vas. Parce qu'il y a sa grand-mère qui est encore là. Sa grand-mère est encore là. Mais elle vit au village. Vous voyez, non? Elle vit au village. Elle sera obligée de revenir parce qu'elle ne peut pas l'amener au village. Au village, il faut qu'on l'amène pour les soins. Il faut des soins. Et l'hôpital approprié, c'est à Yaoundé. Là où il va souvent chaque deux semaines pour qu'on change. Comment on appelle ça? Il n'y a pas les infirmiers ici, les médecins ici. La sonde urinaire et une coloscopie. C'est ça. Les naissances divines, je ne sais pas. En tout cas, on va aller. Quand je serai là-bas, j'ai envie d'aller là-bas avant la tombée de la nuit. Il faut que 17h trouve que je suis déjà en train de rentrer. Je vais faire un aller-retour. Parce qu'il y a tellement de choses. Et Benjamin, j'irai voir donc Benjamin demain. Il va voir Benjamin aussi pour lui dire que voilà papa, voilà ce que je t'ai gardé. Mais sans engagement. Je ne veux pas que ça me reste redevable, que je sois redevable de quelque chose. La valve, peut-être. Mais comme je vous explique là, vous avez compris, non? Melbis, voilà. Je ne veux pas être redevable de quelque chose que... C'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit dans mon cerveau. Non. J'aime être libre de mes mouvements pour dire que oui. Voilà. Parfois même surprendre. Je sais, je suis consciente. Mais toi, ne te dis pas que tous les mois, tu attends quelque chose. Parce que le jour que ça n'arrive pas, toi, tu ne vas pas comprendre parce que peut-être moi, je suis dans la merde aussi et que c'est ça qui fait que ça ne suive pas. D'accord? Voilà. La reine galloise est là. Voilà, la reine galloise m'avait appelé. Elle a donné un coup de main à Benjamin. Benjamin a essayé de me joindre plusieurs fois. Je pense que c'est ce qu'il voulait me dire. La reine galloise, elle a dit que je vais aller faire un direct directement chez... chez Benjamin. Et comme ça, on va faire un direct et Benjamin lui-même, il va s'expliquer, il va parler. C'est pour ça que je n'ai pas eu à parler de ça parce que je voulais faire autrement. Tu comprends un peu, non, ma sister? Merci beaucoup pour le geste que tu as eu à faire concernant Benjamin. Merci beaucoup. Merci que Dieu continue à te donner tout ce que tu as là. Parce que c'est pour ça que moi, je dis que je ne veux pas prendre l'engagement. Chacun connaît sa route, chacun connaît sa position, chacun connaît sa chose. Je ne suis pas sûre que je serai capable de faire ce que toi tu fais. Parce que je suis dans la réalité ici, ma soeur. Je vois. Et on me dit que tu affrontes cette réalité-là. Alors qu'on vit de l'autre côté. Tu arrives sur place. Tu viens prendre la misère, la souffrance des gens. Tu endosses ça sur ton dos. Tu montes, tu descends. Ça, je ne fais que te faire. Moi-même, je suis en chemin, j'arrive. Pour l'instant, reste tranquille. Parle-moi. Bonjour, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Comment? De fois, t'en parles, mon gars, qui m'a servi. Le terre, ça, c'est le bissa. Ma terre. Pas. Ah, il y a un comme ça. Elle est derrière. Elle est derrière. Christelle. Ouais, Christelle est sien. Tu t'en sors au bois. Les gens s'en sortent en bois. Vous parlez même de quoi? Il faut... La femme que vous voyez, reine galloise, moi ce n'est pas moi. Hein. Moi, à un moment donné, j'enjoye. Je ne vous mens pas. À un moment donné, j'enjoye. Moi, je fuis le genre de responsabilité-là. J'ai déjà Bertin, j'ai déjà Benjamin. Oui. Les deux-là me suffisent. Quand j'ai un peu, je fais un geste. C'est personnel. Quand je peux demander aux misungettes, je leur dis, aidez-moi. Je n'ai pas une association. Non.
La Galloise, elle a homologué son association. Elle veut que ça devienne, je crois qu'elle aime déjà une ONG. Je ne sais pas. Bref, elle est en train de tout mettre à jour. Il ne suffit pas seulement que ce soit les papiers. La Galloise ne fait pas le business. Non, la Galloise est vraiment... C'est-à-dire qu'elle est dans la peau de la souffrance de la personne. Elle est dedans. Elle est dedans. Si vous comprenez. Donc, elle connaît le mal que la personne peut vouloir avoir. Le manger. Les médecins. La Galloise fait les démarches. Vous savez ce que c'est? Il faut avoir l'amour. Elle a surpassé l'autre là. Dieu l'a conduit. On t'attend à Douala. Je vais faire même la fête là comment même. Je vais me couper. Il faut qu'on coupe comme ça là. Après, on coupe un peu comme ça. Une partie à Douala. Une partie. Douala, vous voulez en bas ou bien en haut? Hein? Douala, vous voulez en bas ou en haut? Parce que partout là, comment elle va faire même? Hein? Non, la Galloise, il faut être ici, savoir comment ça se passe et gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Parce que, entre les gens qui donnent, comme vous les Missonguettes là, je vous donne l'exemple. Quand vous donnez souvent là, il faut savoir gérer. Parce que si tu ne gères pas bien, ça va faire que là où la destination arrive, tu peux dire à quelqu'un, bon, prends, va donner là-bas. Parfois, ça n'arrive pas la totalité de ce qui est là. Tu vois un peu, tu vas faire comment? Tu ne vas pas forcer les gens. Après, ce n'est plus ça. Quand ça arrive même, puisque la personne ne peut rien faire, la personne est alitée. Benjamin est alitée, Bertin est alitée. Donc forcément, ce sont les gens qui sont autour. Et puis, un coup de fil te revient, on te dit que... Comme la dernière fois, comment ça s'est passé avec son frère, ma. On part pour donner l'argent. Son frère est sorti avec la machette. Je te dis, Benjamin m'appelle, il me dit que, tata Doudou, je vais faire comment? Lui-même, quand tu vois aussi qu'il est incapable, il a l'été, ce n'est que la tête. Quelqu'un sort la machette. C'est-à-dire que quand il te dit qu'il est même découragé, tu te demandes que moi qui marche. Tu vois un peu, non? J'ai tellement de problèmes jusqu'à ma tête chauffe. Lui qui est alité, il est vulnérable. Tout peut arriver là où il est couché, là. Le moustique pique, il ne sent plus. C'est la même chose avec Bête. Tu vas arriver où l'enfant l'adore. Tu vas arriver où l'enfant l'adore. Moi, je croyais que c'était le village. Tu vois, on a aménagé une chambre et tout. C'est dernièrement qui me dit qu'ils sont en location. Vraiment. Tu te dis que non. Si Dieu t'a fait grâce, où tu es là, que quelqu'un ou moi comme ça, là, je peux me servir ma bière. Tu comprends, non? Voilà. Je mets comme ça. Je lève le coude. Je dis, Seigneur, merci. Merci. Il y a des gens, c'est ça le bonheur. Le bonheur ne se résume... Chacun qualifie son bonheur à sa manière, hein. Parce que d'autres, leur bonheur, c'est d'avoir beaucoup d'argent. D'autres, leur bonheur, c'est d'avoir des immeubles. D'autres, leur bonheur, chacun qualifie son bonheur à sa manière. D'autres rêvent de marcher. Ils n'arrivent pas à marcher. D'autres rêvent de s'asseoir. Et ils ne s'asseyent pas. Ils sont alités. Et sur le ventre. Ils sont sur le ventre. C'est-à-dire qu'ils veulent même se retourner, parfois être même sur le dos. On les met seulement sur le dos. Les gens signalent ta page, la Galloise. Ça, c'est quoi ça? Hey, vraiment. Mais tu ne peux plus être caché. En tout cas, nous tous sommes ici dans les réseaux sociaux. Là. On est ici là-dedans. Il faut que tu arrives à faire... fini de faire tous tes papiers, je ne sais pas si tu as fini. Tu mets toutes tes déclarations sur Facebook.
les gens ne vont plus signaler ta page. Parce que ce que tu fais, ça c'est de l'action humanitaire. Ah oui, la Galloise, tu vas sur le terrain. Moi parfois, il fuit. Il te manque pas ma soeur. Moi, il fuit. Parce que tu, quand tu vois que tu es incapable de pouvoir mettre tout le monde, satisfaire tout le monde, tu as envie de donner. Mais tu vois que tu ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Mais toi, tu bouscules, non seulement pour tes propres enfants. Comme j'ai entendu comment tu faisais le direct l'autre jour. Et les gens ne savent pas. Tu faisais le direct l'autre jour. Les gens n'ont pas connu ton début. Il faut souvent qu'ils se renseignent. Tu as peut-être connu les gens, oui. Mais les gens qui ont connu vraiment ta vérité, ils sont très peu. Ils sont très peu. Ah oui. Tu prends ton propre argent. Tu as déjà fait, ok, c'est bon. Tu prends ton propre argent. L'argent qu'on te donne pour toi, avec tes enfants. Parce que l'État anglais a reconnu que tes enfants sont différents. N'est-ce pas? Et c'est toi, toi tu prends encore ça pour aller aider. Et tu tapes les portes de gauche à droite, ici là. Moi j'ai essayé de faire les démarches ici. Hein. Je sais ce que c'est, hein, je vois. Au contraire, nous autres quand on arrive comme ça, on dit, oh Mbengis, pire encore. Oh Z de l'or est là, le teint de l'heure. Ça c'est Z de l'or. Oh, bienvenue ma chérie, comment tu vas? Quand tu arrives là, comment on va faire la fête pour la maman là? Hey! Oh wow! Tu entends seulement que Mbengis, il faut sortir l'argent. Et ils ont l'argent. On va aller manger, on va aller boire. Oui, les gens attendent que ça. Personne n'est là pour t'aider. Personne, ils sont très peu. Ceux qui savent que ça ne se passe pas comme ça. Oui, ils savent que moi, des fois, je veux me voir rester comme ça. Là, j'ai même besoin vraiment d'une bière. Hum? Je veux une bière. Oui, c'est sa mission sur terre. Patrick, je ne refuse pas. Mais il y a des gens qui ont leur mission et qui sont amenés à être accompagnés par ces gens-là. Toute seule, elle ne peut pas, elle ne peut rien faire. Comme ce qu'elle a eu à faire là. Toute seule, elle ne pouvait pas. Et c'était sa voix passée par les réseaux sociaux. Hein? C'est normal, ma chérie, tout ton argent va au pays, sans compter les voyages même que tu fais là. Parce que là, regarde comment je suis venue là avec mes enfants. Rien que ça, c'est facile. C'est facile. Mais on est venu te chercher ici, maman. Dis, viens, dis bonjour, l'anniversaireuse. Viens. Viens, c'est maintenant. Viens, maman, t'as assis, ma kangourlaine. Ma kangourlaine. Regardez comment elle est belle. On vous dit qu'une jeune fille de 70 ans, elle vient me demander l'argent du taxi, mes gens. Fabi, c'est... Une... Ah, c'est parce qu'elle a vu l'argent sur la table. Attends, le... non. T'arrêtes, t'arrêtes, maman. Tu m'as dit que le taxi, c'est 1000 francs. Non, mais elle te donne en plus le billet propre. Non, maman, le billet propre. Ça, c'est bon. Ça va te salir le sac. Ça va salir le sac plein. Zamba a dit quoi? Elle dit qu'elle parle des trucs de Dieu. Dieu a dit quoi? Il faut donner un... Mon frère, 1,50€ le taxi. Et maintenant, elle ne veut plus ça. Elle veut celui qui avait l'autre zéro derrière. Après, ok, jusqu'à elle arrache même. L'anniversaire, 70 ans. Iki. Qui me peut? Bon, mes gens, je vous laisse. On va encore causer après, non? J'ai ma sister qui est arrivée là. Je vous laisse. Je te dis que hein, vous voyez comment ça part vite. Folle Colette, tu dis rien. Regarde ma soeur. Attends, je pose le téléphone ici là. Regarde. Tout à l'heure là, je vous ai montré. Il ne faut jamais montrer. Hein. L'argent ne doit pas se faire voir ici au Cameroun. Tu montres l'argent, tu es fini. Les problèmes vont arriver, on va te les aligner comme ça, là, plop, 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 jusqu'à ce que tu te retrouves, tu n'as plus rien. Comme Alain a fait la dernière fois. Il voit tout ça là. Voilà, exactement. C'était comme ça. Et il avait les billets de 500.
deux billets de 10 000, il se retrouve comme ça avec 4 billets de 1000 francs. Voilà, c'est comme ça. 4 billets de 1000 francs et 4 billets de 500. Pendant 10 minutes, il reste dans la chambre. Il voit, il fait ça. Tu vois, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Il reste comme ça. Je suis de l'autre côté et tout ça là, dans ma chambre. Je le guette dans sa chambre. Il ne fait que faire ça. Il ne comprend rien. C'est que ça. Ça, il fallait que je filme en fait. Il reste comme ça. Il reste comme ça, il fait ça. Finalement, je suis sortie de la chambre, on veut le retrouver dans sa chambre, je lui dis chez lui. Je comprends que c'est dur. Tu ne comprends pas la valeur. Tu as l'argent, tu ne sais pas ce que ça vaut. Tu ne sais pas ce que c'est. Après, il dit, après je lui dis, en fait, tout ceci là, tout ce que tu as là, c'est équivalent à 40 euros. Il dit non. Il dit si. C'est 40 euros que tu as dans les mains, beaucoup, beaucoup, là, comme ça, là. Il me dit non. Maman, ça va vite. Ouais. Il dit ça va vite. Il, quelqu'un dit bonjour. Comme il est content, il voit. On présente là-bas la tante, la cousine, la soeur, le voisin, l'oncle, la grand-mère et tout, tout, tout. Il dit donc voilà, comme il voit un peu tout ça. Tout le monde est souriant avec lui. On ne sait pas qu'il ne sait pas qu'on est en train de finir. Après, après, quand on dit bonjour, il se donne 10 000. Donc on dit bonjour, 10 000. Le gars est content, il voit que. Tout. Moi, je laisse. Tu vas peu, non? Quand il dit waouh! Après. Le lendemain. J'arrive. Okay. Dans cette dernière, il prend la précision. J'arrive. Tu l'as placé? Oui. Ok, chef. Et ton dit. Il ne fait que donner 10 000. Il ne fait que donner 10 000. Après, il vient me voir. Maman, il faut que tu m'aides là. Je dis, comment ça, il veut t'aider? Hmm? Il veut t'aider avec quoi? Je ne peux pas t'aider là. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible, maman. J'ai changé 300 euros. 300 euros en un jour? Ah non, on va pas s'en sortir. Pardon, c'est aussi à ma soeur. C'est tout ce que tu as servi. Hmm? C'est tout ce que tu as servi. Chauffe aussi pour elle. Merci. Hein? Merci. Non, tu as essayé le sucre. Non. Attends, écoute. Arrête le sucre. Quoi, Manu, tu que je mange ici? J'ai dit que ma galloise, laisse-moi, ton fils était à l'intérieur. Je dis, c'est pas possible ça. Maman, j'ai tiré 300 euros. Tout est fini. Je lui dis donc, bon, il fallait que ça t'arrive d'abord. On appelle ça le baptême. Hmm? Maintenant. Maintenant, on va te changer ça. Quelqu'un te dit bonjour, quelqu'un te dit achète-moi la bière, soit tu lui donnes 1000 francs, c'est équivalent à 1,50 €. Je dis quoi? Je dis oui, c'est comme ça. Parce que le bonjour, c'est ça. Là, tu donnes 15 euros. Tu te rends compte? Hmm? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et quand il donne même dans les 2000 francs, ils font quoi? 2000, ça fait 2000, ça fait combien? 2,50 € comme ça là. Tu as mangé une cuillère le matin et la galloise. Laisse, ça c'est une nourriture qu'on mange quand il fait froid. Moi, si j'étais là-bas, j'ai mangé le bol. Mais ici là, je suis tombée amoureuse du poisson. Le poisson qui est ici, c'est la magie. Chaque temps, le poisson. Mmh. C'est ce que tu as à manger. Tu attends le sang. On nous fait la queue dedans. Mmh.
Merci beaucoup, ma chérie. Ouais, 3 euros, du tout comme ça là. Ça. Diamant Boer. Donc, quand il donne, il me regarde pour être rassuré. Je dis que non, c'est bon. Voilà. Au sanga. Vous la reconnaissez, non? Vous la reconnaissez, non? La personne qui trouve, je lui donne le misunga quand j'arrive en France. Bien sûr. Elle connaît toute la famille. Tu blagues? Depuis là, tu envoies, j'ai 2 heures de temps. Comme tu as 2 petits maisons que tu avais. Tu acceptes? J'accepte. Je parle pas en fond. Il faut me garder. C'est comme ça que j'entends maintenant qu'on dit. Quand vous sortez, il faut me garder. Tu sais? Tout à l'heure, non? La façon que tu as tourné tes talons là. C'est à base de quoi? C'est, attendez, je retourne comme ça là. C'est ça. C'est à base de maïs. Hein, qu'on découpe avec les légumes. Et on rajoute la... on rajoute le jus de noix. Voilà, c'est la mariée. Qui a d'abord trouvé? J'en profite pour me reposer. Vrai. On ne fait rien de mes journées. La seule sortie que j'ai eu à faire, c'est hier. Je me repose. Et le temps est court. Jean-Pape Chouchou, bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup, Eboulé. Oh, je fais un gros coucou à mes enfants qui sont en Libye, là. Merci. Mes enfants qui sont en Libye, là. Je vous embrasse bien fort. On s'est eu ce matin. Et les enfants me suivent jusqu'en Libye. Quand j'ai filmé le pays hier, j'allais à la bouquetterie. Non, pas hier. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. Comment on appelle ça? Quand j'allais... Avant-hier, j'étais à la bouquetterie là. Ils ont vu ça. Ils sont de Yomaban. Je suis au petit soin. Au goût de ça. Je comprends pourquoi tout le monde ici a au moins une ménagère, une aide ménagère. Jean-Pap Chouchou, toi tu m'aimes. Tu ne me fais pas les sales vidéos qu'on coupe un genre bizarre. Est-ce que B, ça va? Faut manger local, on puise les protéines, les fers, tout ça. Quand il veut remonter là-bas, ils seront comme 50 lions. Quand il m'assoit,
pour faire mes prestations, ou quand j'attache mes misunga, ou quand je les lave. Oui, Eboulé Queen, j'ai mangé ça l'autre jour. Non? Regarde sur ma page. J'ai fait une vidéo sur les 50-50. Tu vas voir ça. On m'a lavé dedans que oh, celle-ci est toujours en train de manger. Comme si je dois venir chier devant eux. Tata Majo, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre parce qu'elle travaille. Vous savez que vous, les infirmières, les médecins, tout ce que vous êtes, tout le corps médical, là, on ne vous libère pas facilement comme ça. Hein. Moi aussi, je t'aime, j'appelle Chocho. Ceci, KNC, merci beaucoup. Unitran. Je ne sais pas. Elle-même, elle veut venir. Mais c'est son programme de travail. Vous savez que vous qui avez le travail là, il faut prendre les vacances pour toute l'année. Il faut prendre les vacances pour toute l'année. Et là, 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 je ne sais pas si on peut négocier pour elle de façon à ce que elle puisse avoir ne serait-ce que même une semaine ou le week-end là. Donc imaginez, si jamais elle n'arrive pas à venir, elle aura le goût. Parce qu'il ne faut pas louper, hein. Elle est tout filmée, mon frère. J'ai acheté mon billet d'avion pour rien. J'aime aussi beaucoup Tata Lolo Foja. Oui. Moi-même, je l'aime aussi. J'aime même tout le monde. Hein. Je ne déteste personne. Moi, je n'ai pas le cœur pour détester. Il n'y a pas la place. Maintenant, c'est que de temps en temps, on se titille, c'est tout. C'est bon, titillement. Mais comme il y a les haineux sur la toile qui aiment souvent récupérer, c'est là où il vient récupérer. Il part te faire le sassayer. Mais j'aime toutes mes soeurs de la toile là. Je les aime toutes. On est toutes différentes. Chacune a son domaine et tout, tout, tout. Ouais. Tata Lolo était venu ici. Hein. Elle est déjà arrivée ici en Vogada. Elle était venue voir maman. On a passé un très bon moment aussi. Ma galoise. Et merci beaucoup Sandra. Je me fais plaisir mal. Le boulet queen. C'est ça que tu dis plaisir comme ça là. Geneviève Anaba. Attends, Dudu, il est où Georges? Je ne sais pas où il est. Depuis que je suis là, il n'est pas venu. Georges n'habite plus ici en face. Depuis que sa maman est décédée, leur oncle les avait chassés d'ici là. J'ai dit les choses telles quelles. Mais je sais qu'il y a sa grand-mère qui est là sur ma page, qui m'écoute souvent. C'est elle qui m'avait appelé quand elle est arrivée sur Cameroun. Je lui ai posé la question si elle a vu Georges. On me dit qu'elle va le voir. Ils avaient une réunion de famille et tout ça. Donc, honnêtement, je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Il y avait un an de leur maman. C'était le 15 novembre. J'étais en contact avec son frère. Chaud. Vous savez qu'il a un grand frère, non? Son grand frère qui m'a contacté en me disant qu'il y avait un an de leur mère. Ils vont faire une messe d'action de grâce. Moi, j'ai fait un geste. Je dis... compléter dans ce que vous êtes en train de faire et puis voilà, c'est comme ça. Donc là, depuis que je suis là, peut-être qu'il est au courant que je suis là. C'est pas à moi de chercher Georges, hein. C'est Georges qui doit me chercher. C'est l'enfant qui cherche la mère. La mère ne cherche pas l'enfant. C'est ce qu'on m'a appris. Donc je n'ai pas à courir derrière lui. Il sait très bien que je suis là parce que son frère lui avait dit que maman va venir. Donc quand vous venez me poser la question, j'attends aussi quand il va franchir la porte. Vous allez voir qu'on va faire le direct ensemble. Moi, je suis comme ça. Je dis que je ne sais pas détester quelqu'un. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. Il n'y a pas de place. C'est l'enfant qui cherche le parent. Non, le contraire. Vous m'avez été témoin, sa mère avait dit, voilà,
Ma soeur, je te laisse avec ton fils. C'est tout. Parce que quand tu es là, je ne le cherche pas. Quand sa maman était gravement malade, c'est ce qu'elle me disait. En plein direct. Nous apprécions sûrement un cache pas. Tu sais comment longtemps dit que je suis, oui, Raymond. Comment longtemps dit que je suis hypocrite et tout. Maintenant, ils confondent entre quelqu'un qui est vrai et au clash. Quand je viens donc pour parler, le fait de ne rien dire, ça veut dire que tu es hypocrite. Maintenant que tu parles, ça devient que tu clashes. Tu n'as pas besoin de clasher. Moi, j'ai pas le temps de clasher. Moi, je suis comme ça. Mais ce sont mes soeurs. On se voit, on se salue et puis basta. J'ai pas le temps de détester vraiment. J'ai pas que ça à faire. Les nouvelles blogueuses ont retenu la haine. C'est ça qui est dommage. Donc c'est la continuité. On va au couloir. Quand chopons d'abord nous. Il y a le sanga. Quand le sanga finit comme ça, on rajoute le piment à l'eau derrière. Il n'y a que de bœuf, ma soeur. Après, on va donc s'asseoir. Là, elle peut rester jusqu'au soir, je ne mange plus. Après, tu vas voir. Zora la patronne. Une chevette, quand je ne cache pas. C'est très bien. Non, je ne cache pas. Je titille mes soeurs seulement. Moi, j'avais fait exprès de titiller Flore. Dis donc. Flore était qu'on ne la cache pas. Elle est qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on pense. Dès que tu dis ce que tu penses, ça devient que tu caches. Non. C'est ma soeur, hein. Mais ça va être sans fondu. Pour de décider, il faut. Mais oui, là. Et si tu es parti, tu dois avoir de décider, il faut. Voilà, ma libé. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Maman, je n'ai pas de bonheur, mais non. Maman, il est tout mal, tout le monde. Non, tu es bête. Bien, dame. Waouh! Waouh! Maman, il adhère là. Maman, il adhère là, mettez-le. Mettez le cœur, ma milliardaire là. Yanga. Oh yo. À chacun sa chance. Ma milliardaire, j'ai porté le short. Hey! Feu. Quand elle met comme ça, là, on va croire que c'est le gros caleçon que j'ai porté. C'est un short. Le short. Ma suspect essaie de ne pas parler fort. Mais seulement tu peux pas tousser doucement à ça. Adèle, là, c'est son bonjour. Merci beaucoup, Diamambo. Elle vient de se réveiller, ma milliardaire.
Je crois qu'elle vit aux États-Unis. Elle arrive toujours vers 16h. Après-midi. Une goutte de ça. Mettez les cœurs. Le reste, savez-vous, c'est une qui finit comme ça. Mais c'est tant que c'est sucré. Le jaloux, là, venez encore dire que tu es là, que tu es en train de manger. Venez. Au goût de ça. C'est trop bon. Olivia Bilé, ta manière de manger donne seulement envie. Le top aussi. Allez chercher. Ouvrez le frigo. Vous qui êtes en Bengala, ouvrez le frigo. Je suis au Cameroun, cherchez. Appelez même le vendeur d'arachide qui vient. Comme ça, on mange en même temps. Le crédit au pays, c'est un budget, hein, Patrick. Mais quand je change, c'est pour faire plaisir à mes nusongues. Parce que quand elle m'envoie, elle ne regarde, elle ne réfléchit pas aussi. Comme là, les étoiles. 1000 étoiles. Elle ne réfléchit pas, ma milliardaire, pour envoyer. Sandra Grazet ne réfléchit pas pour envoyer. Et l'autre, Marilyn Saint-Sauveur, elle ne réfléchit pas. Elle dit qu'elle fait plaisir à sa tata Doudou. Au goût de ça. Je peux vous amener le sang si vous voulez. On fait des sachets. J'espère qu'on ne va pas me laisser à l'aéroport. C'est trop bon. Voilà, Bertin qui est là. Bertin, j'arrive. Bertin qui a perdu sa maman. Demain, on va sortir sa maman de la morgue. Aujourd'hui, c'est la levée de corps. Aujourd'hui, c'est la veillée sans corps. Aujourd'hui, demain, levée de corps avec veillée. Et samedi, enterrement. Moi, je finirai par à l'enterrement et à veiller avec corps. Donc, aujourd'hui, là, je vais aller le voir. Pétain là. Envoyez lui les cœurs. Allez mettre les cœurs sur son commentaire. Là-bas, t'as le WhatsApp. Oui. Mon WhatsApp c'est 00336 58 15 90 06. Bertin est orphelin. Il va enterrer sa maman samedi. Il a même du mal à parler. Merci beaucoup, Madi. Moi, tu ne bois pas. Attention. Ouais, non, que tu ne bois pas. Oh, maman, bâle. Maman, bâle, il faut.
Ma, où est tes commandes? Entre. J'espère qu'on va pouvoir m'occuper de la musique. Maman. Mmh. Merci. Maman, donne-moi alors ce que je vous ai invité là tout à l'heure. Merci. Je te rends après. Ça va, tata? Tu vas manger les soins. Quand tu vas manger quoi? Et on t'a mis au pané. Mmh. C'est ta soeur qui t'a donné. Qui est venu te donner alors? Dis-moi. Quand t'as fait l'argent, tu te demandes de ça bien. Ok, moi je te dis, tu veux pas me dire. Je veux plus te dire avant. Mmh. Tu as une tata avec Christa Sida. Il y a une tata qui est descendue, salut mamie. La tata de foulard. Oui. Mmh. Hein? Mmh. Elle t'a donné combien? Moi, elle a donné 30 000. C'est même déjà fini. Mm-hmm. Mamie a pris 10 000. J'ai acheté le pain à ta soeur. J'avais, même j'avais 10 000. Allez, si. Il gueule. Ah. J'ai un peu faim. Ah, Marie. Non. J'ai des goûts de luxe. J'ai des goûts de luxe. J'ai mangé au restaurant. Dongo, comme Fabien appelle Dongo. Dongo, tu fais quoi? Tu manges quoi? Parce que le maïs, on t'a dit s'engraver le maïs. Pourquoi? Non, c'était un petit maïs. Un petit maïs, c'est qui t'a un petit maïs? Comme ça, là, un petit maïs. Comme ça quoi? On divise le maïs en deux, c'est un petit maïs. Tu manges mon maïs, tu me demandes. On te donne le petit pourquoi. Jusqu'à lui dire un petit maïs. On doit lui donner un gros maïs. Que Marc lui donne. Mon maïs, Marc a demandé. J'ai envoyé qu'on achète même. Qu'on couvre jamais la mamie. C'est mon chéri. C'est le titulaire. Le maïs, mange le maïs. Mm-hmm. Pardon, viens avec les serviettes, non. Et encore le jus ici dans cette maison. Regarde-moi sa tête, vous avez fini mon jus. Oui, tu finis d'aller acheter et puis tu finis encore. Mes pieds avaient un peu gonflé, mais c'est celui-là qui a gonflé, maman. Celui-là. La chaleur, même pour aller. Ils vont faire comme ça, je dis, mais c'est pas possible ça. C'est quoi ce gros pied là? J'ai jamais vu ça. J'ai dit, mais c'est normal. Tantine Justine m'a massé un peu les pieds ce matin. Je veux même qu'on a massé mes pieds. Non, mais c'est ça pendant 2 heures. Ah, maman, tu veux qu'on masse les pieds pendant 2 heures? Ndongo, viens dire bonjour ici. Viens, ok. Il se prépare. Non, toi, viens parler ici. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous voulez voir les difficultés qu'on a. La Coupe du Monde 2022. Ça ne va pas. Ah, tu vois que tu as des sujets. Ça ne va pas. On rentre au premier tour dans le dernier match. Face au Brésil. C'est dur. Mais du courage, les gars. Beaucoup de gens, mais beaucoup de cœur. C'est la nation qui parle. Tu es malade. D'après toi, oui. Aïe, t'as tu boubou. Elle n'est pas là. Elle dort. Veuillez laisser un message après le but sonore. Pim. Tu dois gaffe. Je suis là. Ben ma conscience avec Valérie. Faut pas ne brûler. T'as tout bu ça. Ouh, l'argent, l'argent. La pluie au Cameroun, il n'y a que les biais, les biais, les biais, les biais, les biais, les biais, les biais. Il y a maintenant.
Que tu ne me salues même pas déjà, ce que l'argent, l'argent. L'argent. Les biens, money. L'argent sort de ce corps. L'argent, beaucoup d'argent. Poireauté. Oui, et au Cameroun, nous sommes dans la joie, la gaieté. Ouais, mais donne-moi mani. Poireauté, ma soeur. Ouais, la vie, c'est la chance. Oh, moi, la vie, c'est la chance. Oh, yo, la vie, c'est la chance. Oh, soit ta part. Oh, soit. L'argent, vous avez vu ce que l'argent fait. Elle a fait la taracou jusqu'à ma part est venue. Elle est là. On t'a reconnu ici. Qui? Tati Bouboule. Tu connais lui? Oui, il a mis 10. Assieds-toi, non? Il y a combien de mois de toi? Salut. Dans où est? Ma série. Tu as fait la talacou? Viens faire la talacou, ça a payé, pardon. Donne là, qui a vu? Là, il est rincé. C'est ça. Maman, donne-moi 10 000 or. Ouais. C'est comment, ma soeur? Je suis là. Comment va l'enfant? Il va mieux. Pas la main, vraiment. Pas la balle de feu. Je suis là. Wadifon, ma aucun zier. Da pour mine. On m'a dit que faut être au pom. Un sanga. Bien, il me le cava. Ah mon cou. Ma yon cou. Bien, cava. Regarde comment les gens sont portés. Ma yon cou. Elle dit qu'elle veut le sel. Il dit qu'il y a le sanga. On dit que est-ce qu'elle est la chèvre pour manger le sanga? Ah non. On te l'a donné, mais il y a bon coup. Ouais, on me dit. Tu es que bana. Ma salon, tu es là. Et on te pour bicobicu. Quoi, vous me bicobicu, parce que niveau le train. Mettez les cœurs, ma soeur. Mettez-moi les cœurs. Mouah. L'amour de ça. Elle s'appelle Bouboule. Reine. La reine mère Bouboule. Beaucoup de gens la connaissent même. Salut. Bombo. Tu es rentré. Bombo est rentré de l'école. Va faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a lui? Va faire le tour. On va te voir. Va faire le tour. Pas-tu? Très bien. Attends, et tu viens. Très bien. Fais le tour comme ça. Viens, tu viens par là. C'est très bien. Alors? Bonjour, tu es mort. Voilà. Tu es rentré de l'école. Bisous alors. Ça a été? Confiance. Eboule Queen, escroquerie Tata Bouboule. J'ai lu, c'est pas moi qui ai dit. Coco. Escroquerie Tata Bouboule. Je t'ai escroqué quoi? Tu veux que je t'escroque? Face à face. Tu veux que je t'escroque? Encore ta... On te connaît même. Encore ta cousine si. Encore moi, Pierre. Voilà Linda. Tata Bouboule. Mais oui, ma soeur, comme tu as dit. On est des stars, hein. Mais n'a qu'à se faire ma zonkou. Ma yonkou, ma fille. Quand tu bois la bière, il faut un petit piment. Conscience. Oh, mon ami,
Non, maintenant tu l'appelles comme ça, hein. Conscience. Bah, le nom là n'est plus bon. Non, le bon nom c'est ça. Conscience. Merde. Moi je suis dans vue et ignorée. Les gens sont morts de rire, ma sœur. Ils sont faire le direct avec toi. Ils sont morts de rire. Tu animes le direct. Est-ce qu'il me permettait l'étoile? Pour une étoile. Voilà. On connaît. Pour une étoile. On dit de mettre les étoiles. Ouah, donne-moi un homme. Mets l'étoile. Pour le gué. Vous riez souvent mon anglais ici, hein? Ouais, ça pas qui arrive. Quoi? Quand je n'ai pas fait l'anglais. Mais gars, quand je faisais même l'anglais, j'escaladais le portail de l'Église. Quand c'était le cours d'anglais, ça m'énervait. Il y avait l'anglais, il y avait les maths, je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, là, je me défends. Mais tu parles le pidgin, non? Je parle tout. Qui garde mal la. Toi, tu peux parler l'anglais. Mi mi ou bala. You don't know speak English. Speak English. I see. Speak English, I see. Speak English, je vois. Ma soeur, toi, tu parles même je bien. Je parle. C'est vrai, tu parles bien. Mm-hmm. Il faut souvent. Moi, je mélange tout avec le pidgin et tout. Bien sûr. Mais vraiment, l'école a été dure avant. Hein. C'était dur avant, mon frère. On te donne 6 leçons d'apprendre. Bah, tu le comprends même. 6 matières, 6. Non, 15 même. Le seul mot que je suis sorti de l'école, du côté d'anglais, c'est. Non. Allez, descends, fais tes chaussures, vite. Tu t'es débarbouillé? Tu as lavé tes mains? Oui ou non? Hein? Allez, vite! Va laver tes mains d'abord. C'était dur, hein? Ah bon? À l'époque, là. Vois-nous les mamans, les sangs sont déjà là. Mais là, tu as les problèmes avec le gars. Tu ne peux même pas étudier. Tu penses que non, anti le gars, là, c'est celui qui est là avec la fille que je lui ai vu là. Ouais, mon Dieu, je fais comment? Ce qu'on te dit là-bas devant, tu ne comprends pas. Donc, gars, c'est vrai en plus. Non, c'est vrai. Sérieux. Lago, tu as raison. Parce que, vraiment, à l'époque là, tu restes comme ça, 6e, 5e, 4e là. Tu vois pas. Non, la route de 6e même, c'était plus pire. C'est là que je m'évadais. Quand je tombais, évanoui à tous les coups. Quand mon gars me disait, comme je dis, c'est fini. Ben, je tombe évanoui à l'école. Pour l'amour. Sixième. Oui. Quel genre d'amour? Sixième là. Quel genre d'amour? Qui y a quoi? Qui y a quoi? C'est le petit truc là que toi aussi. Donc tu as avec ton tu vois un peu, non? Maman Kembes, maman, vois-moi avec une minute. C'est ça que tu veux voir. Si je ne porte pas la jean, la mini là. Non, je ne suis pas à l'amour. Je dois être sexy. Tu as vu ma. Il faut qu'on mette le short. J'ai mis mon short jean l'autre jour. Papa, j'ai vu le mimbori qui m'anivait là. Maman, j'allais mourir de rire. Et ça, vraiment, je ne sais pas qui m'a amené épouser les femmes comme ça là. Personne n'est simple dans cette famille. Ouais. L'amour de la jeunesse. Attendez, vous avez connu l'amour de la jeunesse, non? La personne qui n'a pas connu l'amour de la jeunesse de 6e montre le doigt. Bah, ne mentez pas. L'amour inconscient. Ah. Et c'était bien. Ouais, Ah tiens. Je ris, ça ne finit pas. Et Boulet, j'ai dit que hein, ce n'est qu'au début. Ah, vous allez voir. L'amour là. Comme la fête ne fait qu'arriver, mes cousines vont arriver. Elle, je m'entends bien avec elle parce qu'elle a de ses dégagements, mais elle m'énerve parce que et tout, dès qu'elle me voit, l'argent.
Dès que mon va là, ça vous avez vu, non? Non, entre nous. Elle doit me donner. Vous avez vu? Je suis son aîné. Elle a les cheveux blancs, mais me voilà Yann. Voilà. Je ne vois pas où elle a tout fait. Entre elle et moi, je suis son aîné. Moi aussi, je vous aime. Ouais, je ne m'attendais pas à celle-là. Jusqu'à tu as remis. Je ne remets pas. Mais pas alors bien, non. Si c'est pensé, ça fait quoi? C'est la métisse. Maman, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Pour moi, c'est la naturel. Pour elle, c'est la teinture. Donc, je suis son aîné. À chaque fois qu'elle me voit, l'argent, là, vous avez vu, non? Vous avez vu là, non? Même bisou. Ok, tata Bouboule, tu as fini avec. Dès qu'elle me voit, l'argent. Elle est arrivée, c'est même pas salué. Dès qu'elle a vu l'argent sur la table, il fallait que j'enlève. Elle est capable de tout prendre. Elle me dit que viens me taper sur ta graisse, tu vas me faire quoi? Donc mieux, j'enlève d'abord doucement. Est-ce qu'on achète le droit de naître au marché? On achète le droit de naître au marché. Non, c'est vrai. Elle fait des cafés. Tata Doudou, désormais, je te baptise Tata Doudou l'argenterie, l'argentière. Tu as vu, non? Tu as dit que ma sorcière, et c'est même pas la qualité que elle te met le couteau à la gorge, hein? Ça doit sauf que sortir. Enlève l'argent dans le sang, ce n'est pas bon. C'est mieux, ça reste là, la gorge. Non, pose ici. Non, pourquoi? J'enlève sur le sang pour poser quand ici. On voit l'argent. Qu'on voit? Oui. C'est pas bien quand on voit. Tu sais que je dois te faire le lavage d'argent. Que quand tu arrives là-bas, moi, là, je suis là, je vois sur Zanzibar. Il y a une fille qui a fait le direct sur ça. Pardon, elle a fait une vidéo. Si c'est Kiki qui attend là. Elle a fait une vidéo en disant que elle venait d'arriver d'un bain. Et on lui a dit que tous les arbres là, ça se transforme souvent en argent. Tu secoues. Donc je secoue. Donc tu as fait le lavage. Non, avec d'argent. L'argent. Donc on met 3 billets de 10 000. Dans la bassine. Tu entres dans la bassine, je vais t'appuyer, tu vas entrer. Même si tu es grosse, tu vas entrer. C'est ma grosse à moi. Je vais te laver. Donc, ils vont te faire ça dur. C'est là qu'ils vont dire. Ils vont encore dire que non, le tout, sinon. Elle dit qu'elle va me mettre dans la bassine. Dans la bassine, à 3 billets de 10 000. N'est-ce pas? Et puis, elle va me mettre dedans, elle va m'appuyer. L'argent va sortir. Le lavage d'argent, donc ceux qui veulent le lavage d'argent. Venez voir. Mais je ne lave pas tout le monde. Si tu es avec elle, je te lave. Comme conscience. Ok. Et qui est. Elle me semble gentille. Bien oui, elle est très gentille. On est tous comme ça dans notre famille. Tu n'y as pas de légumes, non? Et où laisse? On dit qu'on laisse. Mais dis-moi quand il va qu'il regarde, mais dis-moi quand il tu coupes. Attends, maman, je sais comment ça. Maman, tu nous dis ça et pour voir tu coupes. Oui, bébé a mangé ça. L'omelette. Je te jure, ça m'a fait bizarre. J'ai dit qu'il faut que je mange ça. Non, comment? Donc tu n'as pas encore mangé? Non. Fais les œufs. Tu prends le bâton, tu défais, tu découpes ton bâton. Je dois m'en découper ou toi tu coupes. Attends, avec un verre d'eau. Viens taper. Ouais, ouais. Là, tu passes une bonne journée. Elle a mangé ça là. Avec le pain, même, là, ça même, elle a mangé ça, même l'autre là, moine.
Moi, nous sommes à manger comme ça, elle a commandé avec le bâton. Non, le bâton. Vous avez? On te dit, mais. Éboulé, c'est éboulé. La miou miou. C'est comment, non, la miou miou? Paris, les oiseaux, tu dis quoi? Pepe Tchungono, là, vous êtes tout. Je dis, est-ce que je dois commander vos étoiles? Je commande. Vous n'avez pas d'étoiles. Sinon, je ne vais plus jamais faire votre direct. Sinon, on coupe même. Oh, coupons. Coupons, je ne vous raconte plus mes amours de jeunesse. On coupe. Ah, doudou, Timmy. Elle a les histoires comme ça, là. Vous allez tout le monde de rire. Vous qui êtes là, que le foie. Voilà, tu coupes. Vous voilà, tu coupes. T'as raison, vous le savez, maman Zinia, pardon. Ah, tu coupes pas pour moi, il y a 13 heures, il fait. Parce que quoi, Zinia, un peu de mal, il y a tellement de bac. Moi, toi, non, 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 Donne-moi ton OM, je t'envoie deux pièces. C'est le chef petit. Envoyez. C'est vrai. Au bel OM. Gaille-moi le même numéro que tu connais. Ça a fait OM. Mmh. Ah, donne alors. C'est vrai. Hein? Tu vas voir comment ça va. Donne tomber. Alors. Les gens vont t'envoyer. Tu mets les étoiles. Je vais vous raconter. Les gens vont t'envoyer. Mais on va partager. Je ne partage rien avec toi. Je ne donne pas. Jusqu'à tu me. Moi-même, je donne. Prends. Tiens. Je coupe. Ah, ne coupe pas le goût. En ce moment, tu me laisses à l'offre. On se partage. On parle en direct. Hey. On parle maman, on me menace. Appelle-moi en solo. Elle va t'appeler avec quel numéro? Avec quel numéro? Ah, ça te lit. Donnez son OM. Alors, c'est le 00 237 6 96 11 61 65. Je vais noter pour tous ceux qui veulent faire envoyer une petite bille à ma soeur. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Les amours de Tata Doudou. Non, je ne vais pas couper le direct. C'est une façon de l'embêter. C'est une façon de l'embêter. Vraiment, faites un geste à ma soeur. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, à la coucou barbe, un numéro. Elle confirme ma starmania parce qu'elle a. Attendez, attends, attends. 237. 6. Ah, pour être sûr, n'est-ce pas? Hein? Alors, 6. 96 11 61 65. Ok, et c'est quoi le nom? Ma soeur, tu mets déjà le rouge à lèvres. Mais vous êtes déjà en train de faire que Bouboule est déjà en train de mettre le elle fait déjà le maquillage. Les choses sérieuses vont commencer. Donc, c'est le nom, c'est Zanga. Hein? Ok. Non, mais tu peux avoir une puce et tu ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Tu peux avoir une puce. Toi, tu connais le nom que j'ai signé pour ça. Ce n'est pas donc ça. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai la puce que j'ai sur au téléphone, ça veut dire le Souda. C'est ça qu'elle dit. Puisque quand on envoie l'OM, quand on envoie l'OM, pour être sûr, il faut donner le nom. Mais bien sûr, on ne discute pas pour moi. Ils aiment ça, non? Ah. Qui ne discute pas avec eux? Dorothée Zanga. Non, Zanga, Dorothée. C'est le nom qui a. Hein? Voilà, je dois mettre ça pour que quand ils envoient l'OM, pour être sûr que c'est toi, le nom va s'afficher. Et c'est là où ils confirment. Voilà. Donc, je mets comment? Si vous voyez l'un des noms. Comment pour moi?
Attendez, Zanga Dorothée. Edwige, c'est ça, non? Si vous voyez l'un des noms, sachez que c'est. Ma soeur, tu as eu le transfert. Tu n'as même pas encore fini de taper le nom. Pas rien. Vrai but. Pas rien. Belize. Attends. Elle se met où? Pas rien. Ah, t'as rien. Toi, il est là. Non. Oui, c'est 3000. Uh-huh. 3600. Mince. Ça me fait deux buts. Eh, ma chérie, merci. Il me veut ballon. Il me veut ballon. Il nous voit. Ah, oui, c'est Eboulé. Eh, merci, Eboulé. Bah, tu vois, c'est ça qu'il fallait me donner comme nom, Zanga et Kobna. Tu me donnes tout le reste des détails là. Maman, calme. Pourquoi les Edwige et tout ça sortent là? Quand toi-même tu m'envoies souvent l'argent, c'est parce que tu ne gardes pas. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon, allez me prendre la bière. Je vais épingler. Voilà. Voilà le numéro de ma soeur. Ceux qui veulent faire un geste pour elle. Elle aime la bière. Hein? Maintenant, je vais vous raconter mes amours de jeunesse. Apportons un cendrier là-bas. Pantine. Ouais, Seigneur. J'étais amoureuse. Mon premier gars. Il s'appelait Bagnol. C'était un gars Bafia. Maman les filles. Ne tombez pas amoureux des Bafia. C'est des gars prêts. Un petit garçon, mais très dangereux, mais mignon. Le gars a été beau. Donc je m'évadais même, je partais dans son village quand il partait en congé. Le jour que le gars m'a dit qu'il s'est fini, parce qu'il y avait une autre fille là, Caroline. C'était ta coépouse? Oui. Pardon, envoyez la bière à ma soeur. Vous allez rire aujourd'hui, elle vous manque pas. Hein? Elle ne blague pas quand elle a commencé. Vous avez pissé de rire là tout à l'heure. Sinon, on coupe le direct. Vous commencez déjà à rire, vous n'avez même pas encore la suite de... Il a brûlé ses habits. Laisse là-bas, je peux... Allons à table, pour t'accompagner manger. Ou bien, va d'abord manger tranquille. Je vais pas d'abord manger. Mm-hmm. Car elle m'a dit, elle est Elle est bien. Tu ris, ça ne finit pas. Eboulé, merci beaucoup. Merci. Tu as vraiment fait le geste pour ma soeur. J'aime voir ta soeur qui est à côté de toi. La voilà, non? Vous voulez entendre les histoires? Envoyez. Faites, il y a déjà eu un geste de OM là, 3600. Envoyez. Si vous n'envoyez rien, je pars d'abord manger. Je ne suis plus avec vous. Pause. Et Boulet, je viens te raconter à deux. Mm-hmm. Donc tu vas quitter dans le direct, je te raconte mes amis. Maman! Je suis dans son village, ça s'est bien passé. Mes parents me cherchent déjà. Donc tu avais fui l'école. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Tu avais fait une fugue. Est-ce que l'amour est bien? Non, c'est vrai, ça te fait perdre comment? La tête. Et j'étais dans une salle de classe d'examen. Donc ma tête n'était même plus à l'école. Ma tête était que. Il faut que je découvre ce que le gars a entre les jambes. Maman, c'est pas ce qu'on appelle fuguer. Il faut qu'on découvre quoi? Ce qu'il a là-bas en bas. Il fallait que je découvre. Après, la tête sérieuse. Je te dis, mais pause. Tu ris quoi? Toi-même, tu n'en parles. Attendez, va manger. Non, donne encore une partie un peu. Bon, je suis derrière Bafia. Bon, ça veut dire que elle a atterri, hein? Bon, elle a atterri. J'arrive à Bafia. J'appelle le gars. Il n'y avait pas encore les portables. C'était les pics. J'entre dans une cabine. J'appelle. Il décroche la lune. Maman, pour me faire entrer,
Il fallait encore tourner un autre film pour entrer dans la chambre et rester là-bas. Avec ses parents. Parce qu'il y a ses parents. Uh-huh. Et tu restes dans la chambre cachée. Qui n'a pas connu ça? Fais de faux gestes. Quand le père va atterrir, tu vas dire ce que tu fais là-bas. Ma mère est déjà avec mes frères débattre. Bah ouais, mon Dieu, ma bonne directe. Bon. Une affaire très très sérieuse, Vanessa. Mettez les étoiles. Ça, c'est son numéro de OM. Hein. Le numéro qui est épinglé là, c'est le numéro de OM. Pardon. Le gars tourne donc. Il tourne. On s'assoit dans un. Il y avait un petit bar à l'air entré. Reste là. Je suis aussi là. Tout ça là, j'ai attrapé mes parents, même 30 000, c'est dans ma pause. Je joue les filles, les Mouna Bobo. On arrive, on boit, il boit sa bière. Moi aussi, j'ai dit que je reste derrière. Je commence à boire. Et c'est même lui, ce connard, ce petit salaud, cette moisissure, c'est lui qui m'a appris à boire. Maman, la sonnerie de ça. Oui. Bonsoir, bonsoir. Ah oui. On ne sait pas plus. Parce que comme vous et moi, Marie Hélène Oiseau. Et je suis sorti. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, vous serez là demain. Pour envoyer deux billets. Et voici son OM. Vous faites l'OM. Voilà son numéro de téléphone qui est là. Avec l'indicatif 00237. Vous faites l'OM. Ah, ok. Ou alors vous l'appelez directement et puis elle va vous donner le nom et tout. Vous pouvez faire un Western Union, par exemple, pour ceux qui n'ont pas l'OM. Non, il ne m'a pas appelé, on ne s'est pas vu. Au contraire, ce matin, moi, j'ai vu la plaque là-bas qu'il a remis. Donc, moi... Le copier est bon quand ça achète. Ok, d'accord. Tu vas où, chérie? Papa m'a conditionné là, je peux lui donner la commission. Ok, d'accord. Il a dit que tu venais, mais tu es tout. Oui, on arrive. Par contre, si tu vas là-bas, je vais. Tout, c'est bien. Il a bien tes mains. Bravo. On lave tes mains et ta bouche. On lave tes mains et ta bouche. Tu sors de table là. Hein? Ah. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais donc l'appeler demain. C'est mieux vendredi parce que je me suis déplacée. Ma petite soeur est venue de France. Donc je viens l'aider à passer son séjour. Les beaux jours sera et la famille est sacrée. Ok, d'accord. Merci, d'accord. Michel Tonga. Bon, d'accord. Allez. Bye. Je vais enregistrer votre numéro là. Merci. Ok, d'accord. Merci. Oui, regarde. Quand je parlais, tu faisais comme si... C'était quoi? Mouf! C'est qui ça, chaud? Pardon? Je suis même poli. Quel chaud? Je vais à la maison, elle mousse les doigts là, à mousser. Elle a fini de mousser. Maintenant, elle voit que ça chauffe sur elle. Elle me dit maintenant d'aller prendre. Je ne sais pas encore quoi. J'ai déjà payé de l'autre côté. Je ne veux pas m'aller à longtemps. Parce que comme elle est petite, donc je voulais un truc un peu plus grand. Ah, Manouka.
part. Continue l'histoire. Entre temps, on était en passant le micro, on est là, on va chauffer. On était arrivé au bar. Au bar. De toutes les façons, c'est un salaud, j'ai pris un imbécile, un chien, un moisi. Et un couillon. C'est même lui qui m'a appris à boire. À boire. Voilà. Toujours pour la boue. Tout ça, c'est 8 heures. Bam. On entre maintenant, maman. Il me dit, marche doucement, enlève les chaussures. Moi aussi, j'enlève les chaussures. On marche, tchap, 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 tchap. Tout ça pour aller voir quoi? Le bar là. Parce que quand il faisait les bisous, c'était bon. C'était sucré. Donc il fallait que je goûte. Il me. T'as fini? Bah, il faut te mettre là alors. Va sur l'autre canapé là-bas. Parce que ici là, on est encore. On va te libérer l'espace dans peu de temps. Vous allez péter des rires aujourd'hui là. C'est ça que vous voulez, non? Attendez, je la mets bien en face. Quoi, ça tu me fait bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu regrettes? Non, je ne regrette pas. Non. Pourquoi ça te fait bizarre toutes les tracasseries que tu as eu à faire juste pour aller. Babala! Il faut se cacher pour goûter un truc qui ne. Ça ne prend même pas peut-être 45 minutes. Tout. de 5 minutes. 5 minutes? Toutes les tracasseries, tu fuis tes parents jusqu'à tu chipes un peu là. Et tu arrives dans tout ça, on te tape aussi, hein, parce que tu as fugué. Attends! Maman! J'arrive, on entre dans la chambre. Le gars ferme la chambre. Clic, clic, clic. Non, mais la chambre était bien. En tant qu'élève. Donc, lui aussi, il voulait me demander que non, ça donne. Oui, lui aussi, il est des parents. Oui. Mm-hmm. Aisé, un peu aisé. Sa chambre était bien glacée et tout. Je suis alors pour cela. La chambre était bien glacée. Dressée. Il était bien dressé. Mais attends, il reçoit la petite quand même. Oui. Il faut. Monsieur, alors, une... Maman, ne vous allez être mort de rire. Entre temps, sa nourriture refroidit et on n'entend pas ici la parler. Les radios cassettes. Oui. Il a mis quoi? Il a mis la musique douce. C'était à l'époque. Pour la première fois, je suis tombé. Non, il faut écrire sur le papier. Où tu écris mon nom sur le papier. C'est l'autre qui a chanté ça. Guilou, c'est pas lui, c'est Guilou. Le Guadeloupéen là, non. Oui, c'est ça. Sur les papiers de cigarette. Oui, c'est ça, non. Pour la première. Maman, je suis les accoussés là. Regarde alors ta soeur. Le caleçon que j'ai voyagé avec, j'enlève d'abord pour porter notre caleçon, yang yang que j'ai payé. Donc j'avais payé un caleçon d'Anthony. Ma copine me dit, ma chérie, quand tu vas arriver là-bas, porte ça. Là, ça va bien le séduire. Je connaissais que c'est Dieu, c'est moi. Si c'est à l'époque, si, j'allais lui montrer que paya n'a paya. Pour la première fois, je suis tombé amoureux. Et cela n'a duré qu'une semaine. Maman, le gars aussi a mis l'homme dehors. Toi, là, tu attendais avec ton nouveau caleçon. Avec mon nouveau caleçon. Seigneur, l'amour de la jeunesse. Avec mon beau petit soutien. Je suis là tout dégagé, excusé sur le lit. Comme ils n'entendent les pas, je me cache. Les gens sont morts de rire. C'est la magie. Mettez les étoiles, envoyez l'OM. C'est la magie, vous allez rire. Posez, je me pose. Vous ne m'en proposez. Vous riez quoi? Mettez les étoiles. Mais non, mon moine. Elle dit que si ça allait boxy. Non, il allait chier le varan. Comment? Lago. Tout le monde me cherche là. Quelle éducation pour les autres qui sont derrière. Elle dit que moi, je m'en fous. À la guerre, je pars au fond. Je pars d'abord goûter pour connaître ce qui est. Donc, toi, ça va pour Tata. Hé, hey, ils s'en foutent. Comment ça, il y a plus la Isambek? Et pour Tati Bouboule, il n'y a pas aussi. Fabiola, il n'y a plus la Castel. Il y en a.
D'abord, toi, tu bois. Moi, je bois tout. Ouais, il n'y a pas de goût, ouais. On me ne sent pas, tiens. Tu vois, on t'appelle. Les Missungat vont t'appeler. Le goût de ça répond. Ça vient de la Belgique. Allô? Bonjour, est-ce que tu as un WhatsApp? Oui, j'ai un WhatsApp. Oui. Oui. Ah, le numéro est... Ah, okay. Ah, le numéro est dans la chambre, à le téléphone. Elle est là. Je suis là, je suis là. La voici. Oui. Merci. Oui. Oui. Envoie-moi la vidéo. Tu as enregistré la vidéo. Oui, mais tu, pour avoir les droits, c'est tout un autre système puisque tu n'as pas de page. Mais il faut dire que tu as un compte Facebook, non? Oui. Maintenant, il faut créer aussi une page. Ça, on va en reparler. On va en reparler avec moi, tu me rappelles. Je suis encore la maman, dans quoi, j'ai encore quoi, 2 semaines. Ah. Ok. Ok, Bibala, merci. Uh-huh. Verser, verser les étoiles, verser aussi son OM. Le numéro qui est là, c'est pour l'OM. Elle va boire ses bières après. Ne m'appelez pas. Vous voulez causer avec elle. Vous finissez ma batterie. Ici on coupe le courant. Et ici on coupe le courant. Bientôt, je suis très nerveux, ils sont beaux, pas à moi. Donc, ah, c'est mon point, mon point. On était à quel niveau? On était au niveau que quand les gens passaient au couloir, oui. Se cachaient. Tu te caches dans la chambre. Toi, tu es dans la chambre. Moi, je suis dans la chambre. Et tu te caches encore. Et tout ça dans le noir. L'obscurité de ça. Et Noah a commencé depuis. Il n'y avait pas le jeu de lumière. La go, tu sais, un temps là, les gars. Non, il n'avait pas ça. Il n'avait pas le jeu de lumière. Ah, vraiment, tu revois le film là. Ah, tu sais, mes poumons sont en train de faire. Il débarque, il ouvre la porte. C'est à 2000 ans, j'ai dit oui. Tu parles. Donc le salopard avait même une petite au village. Dans tout ça. C'est pour ça qu'il te cachait. Oui. Mm-hmm. Non, il me cachait parce que les parents. Ok. On m'a dit que non, tu avais tout et tout et tout et tout et tout. Et tout. Mm-hmm. Moi voici, me dira qu'elle est l'Andienne d'eau. Il prend mes 2000. Maman. Je regarde l'heure. Je vois qu'il est à 22h. Tu sais que dans au village, ça tombe vite et tout. Mais ça tend quand même les bruits, le son et tout ça là. Je dis qu'elle fait quoi là, je suis poussé comme le bunga ici là. Moi aussi je m'habille. Mm-hmm. J'ouvre la porte doucement. La porte fait crrrr. Pour se lever même d'abord, tu dis. Le lit fait caca, 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 caca. Et la chambre de son père était à côté. La chambre de son père à côté. Et, tata Bec, c'est le seul mot que je suis rentré avec. Caca, caca, je me lève doucement, un, deux. Je me place debout. Je porte mon habit. J'ouvre la porte. Et pour ouvrir la porte, là, c'était encore un problème. Donc, il avait, le gars avait un système. Mm-hmm. Pour qu'il ouvre la porte, il ouvre ça vite. Quand tu ouvres doucement, ça fait...
mon frère. Quand il y a le porte. Il y a le porte qu'il faut, il faut ouvrir vite, crac. Madame Sang, elle est en train de se faire. Je prends mon courage. J'ouvre rap, je suis dehors. Je prends mes babouches avant. Je sors, je prends mes petits. Parce qu'à l'époque, l'argent était encore beaucoup. Donc, 10 000, ça ne finissait pas. Je sors. J'entends comment la musique, je vois la moto. Moto, il y a un bar où ici, la musique là sort. Ma chérie monte, moi aussi je monte, pas doucement. Je suis accroché sur la moto comme le gars, il n'y a même pas de grâce, il est là à côté. Quand j'arrive, qui je vois en train de quoi ça? Je dis, regarde-moi ce morpion. Donc tu m'abandonnes pour aller, pour venir danser avec une. Donc il t'a pris tes 2000. Pour aller, financer voir. Celle qui est là-bas. Maman, le fait a commencé depuis. Ça donc, il va financer depuis. L'autre qui est là-bas, Sanga, du village. Du village. Aïe. Moi aussi, j'atterris comme Batman. Et je boudais. Et à l'époque, j'étais très forte. Je ne pouvais pas taper mon dos, même jusqu'à présent. Le gars, pas mal. Parce que ma youyita, non, non, pas. Mais je vois la fille, elle est même d'abord où? Regarde-la. Je me regarde encore, je dis vraiment. Je pars au comptoir, je pars ma bière. Le gars peut péter les pots. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je dis, pardon. Tu m'as abandonné dans la chambre. Le gars me flatte. C'est les bises que tu veux voir. On part donc s'asseoir avec ses cousins. Je suis là. Tu tombes seulement sur. L'amour me dérange. Et la fille, elle est là, comment là? Elle était encore là. On arrive dans la maison. Maman, pourquoi on passe l'amour? C'est encore notre calvaire. Non. Pourquoi j'avais mon caleçon, je suis couché. Il m'embrasse. Il m'embrasse. Et si c'est la bouche là aussi, était un con. Je me voyais déjà au 7e fois. Ouais, la gueule! Tu as fait ma journée! Maman mange, elle ne met pas les cœurs. Elle est là-bas. Elle est où? À partir des parents, comment j'ai pas ici? Hein? Et tes parents, donc, c'est pas. Attends, je vais te raconter. S'ils ne mettent pas les cœurs, je ne. Ils ne mettent pas les cœurs, ils ne mettent pas les étoiles, ils ne mettent pas l'OM. Et vous ne me donnez même pas l'argent. C'est l'autre, la petite là-bas, Louis. Dieu va te donner abondamment, abondé. Abondamment, écoutez les expressions. Hein. Abondamment, abondé. Oui, puis moi, Alain Benya. Tu auras l'argent. Et. La partie là. Mm-hmm. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse même. Quand il veut un peu avancer, je dis, hey, pourquoi ça est comme ça? Ça fait mal, hein? Pourquoi la grosseur était comment? Non, c'était là. C'était là. Mais les papillons ont des seins gros bangos. La tête est comme le. Comment on appelle ça le parasol? Comment on coupe ça, ça le. La malade, elle va d'abord manger. Elle mange d'abord. Non, la tête est comme le parasol. Hey, qui est Facebook, le goût de ça en famille, hein? Imaginez alors, je serai là-bas en train de me morfondre jusqu'à le goût de ça. Vous êtes mort de rire, vous ne voulez même pas qu'on coupe. Merci, Tata Bouboule. On a tout compris. Le goût de ça, Tata Doudou, Massa. Pardon, verser lui-même un OMM de 10 000, non? Ouais, 15 euros. Mettez lui-même un 15 euros ou un 30 euros ou même un 50 euros, non? La tête est comme le parasol. Je te dis, Maxime Ludovic.
Il y a même les hommes dans la go. Tu enjoins même les hommes ici. Ouais. Pardon, chauffeur, j'ai encore sa nourriture. Tu manges ça froid comme ça. Hein, Lago? Chauffeur, lui, il a encore sa nourriture. Donc, va prendre. Elle chauffe, chauffe. Tu veux pas qu'on chauffe, Lago? Maline, petite maman. Coucou, ma chérie, ça va? Je te dis que Maxime, laisse tomber. Tu es dans quel pays? Je suis au Cameroun. Je te dis que Suzy Mary, la tête est comme le parasol. Le chapeau. Ouais, Tanti Boubou nous a fini. C'est un cas. C'est même, c'est pas un cas, c'est 10 cas. Elle là. Tchou-tchou. 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 Tchou-tchou est là. Voilà Tata Majoli, mettez les cas Tata Majoli. Voilà Tata Majoli, voilà Tata Doudou. Tchou-tchou. Regarde Tchou-tchou. Bon, fais coucou. Bon, coucou. Dis bonjour. Coucou. Bon, coucou, Tata Majoli. Bon, oui. C'est tu fais le sport? Oui. Ah. Coucou. Yeah. Coucou, ça va? Ça va être dans alors. Hein? Oh yo. À chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Ah, eh ya, eh ya, eh ya. Oh, tiens, va donner ça à Tata. Va poser sur la table. Va poser sur la table. Là-bas. Oui, elle va poser sur la table. Allez, danse alors. Danse. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo. La vie, c'est la chance. Alors, Tata Majoli, bravo. Bravo. Oui. Oui, il faut danser, Bobo. Oh yo, chacun sa chance. C'est sa chanson préférée. Oh yo, la vie, c'est la chance. Oh yo, chacun sa chance. Ah. Eh ya, eh ya, eh ya. Alors, bisous. Des bisous. Tu danses. Tu danses les fesses. Les fesses. Les fesses. Les fesses. Les fesses. Les fesses. Iki. Mon beau, toi, la danse, c'est les fesses. Hein. Bon, la go finit de manger, on passe à son bar. Les fesses, danse alors. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Oh, bravo, Mbombo. Assia. Bon, on laisse Tanti Boubou manger, elle va digérer. Et puis après, on va revenir. Il y a ça dans le sang. Oui, c'est ça. Ah, la go. Ça pour qui? C'est après. C'est quoi? Ah, elle aime la viande, la fessie. Eh, moi, c'est le poisson. Va manger. Bon, mes gens, tout à l'heure, non. Tout à l'heure, je sais que vous êtes triste. Mais faites un geste à ma soeur, quand même. D'accord? Ça, c'est son OM. Ou sinon, vous l'appelez elle-même, un petit Western Union, là. Vite fait, bien fait. Merci pour les étoiles. Merci à tous ceux qui ont... Arrête, Bobo, je suis en direct. Déjà, je vais arranger ça. Ça va faire mal à ta soeur. Va arranger ça, vite. Va arranger. On joue pas avec. Merci à tous ceux qui ont mis les étoiles. Merci à tous ceux qui étaient là. On a bien rigolé ensemble. Plus de 2 heures de direct. Et ça, mes gens. Donc, on va se dire à plus tard, n'est-ce pas? Je reviens. Hein? Tati Bouloube. J'ai demandé si je peux te rencontrer. Prophète Rodrigue. Yomi. Tu veux me rencontrer?
Tu veux me raconter, tu m'envoies le message. Mon téléphone fait WhatsApp, tu m'envoies le message, d'accord? Mon numéro est sur la page là. Ok? Bon, bisous, hein. On se dit à plus tard. Oui, à tout à l'heure, on laisse d'abord tata Bouboule finir de manger, elle digère, et après on va aller continuer le direct au bar. Tata, je souhaiterais du ndop, s'il te plaît. Makino, tu veux le ndop? Tu veux le ndop comment? En boubou ou bien en tissu? Ou bien en kaba? En tout cas, envoie-moi le message. Mon téléphone même avec lequel je réponds est en charge dans la chambre. Il faut toujours mettre à charge. C'est dans la chambre. Je l'ai mis à charge là-bas. Celui-ci, je fais le direct avec. Ok? Donc, bisous, hein. À plus tard, mes gens. Je vous embrasse. Merci beaucoup. On fait comme ça. Tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi des messages, d'accord? Sur mon WhatsApp, bien sûr. Mouah, bye!